C'est pas trop juste à vous. Tout, tout, tout. Quoi? Elles sont où les 13? Elles sont plus là, les gars. Elles sont plus là, les 13. Finito, hermano. Bring back the afro. Comment ça, les Jones? Oui, allez, remettez les coupes, remettez les points d'exclamation coupe, nanana. Faites vos blagues, faites vos blagues. Le comeback. Putain, c'est mort, il y a vraiment une team. Il y a vraiment une team afro, une team 13 quand même, hein. C'est insoutenable. Hein. Tiens, qu'il y ait des teams pour les vœux, c'est insoutenable. Ça va, les gars, sinon, je vous avais dit, team 13. Eh, hey, Till, t'es là soir ou pas? T'as vu, Till, je suis un bon, parce que regardez, les gars, soir, j'ai mangé avec des potes. Donc, le live, on l'arrête à 19h. On l'arrête à 19h, comme ça, on est dans les temps. En vrai, ça passe, ça fait un live de 16h, 2h, 2h20. Ça va. Le rendez-vous est à 19h. Non, non, 19h30. J'ai vu 19h30 dans la conve, enculé. Regarde. J'ai redit, frère. Non, ça, pas, tu devais lancer à 16h. Bon, les gars, regardez, j'ai une excuse. J'ai des excuses. Excuse numéro 1. Il y avait Flygo et Léopold, il faisait le secret de Santa. Je tenais la chaîne de Léopold, tu vois, parce que vas-y, normal, il a dû partir loin, donc j'ai tenu la chaîne, tu vois. Excuse numéro 2. Excuse numéro 2, comment on dit? Excuse numéro 2, je dois installer le jeu. Je dois installer le jeu quand même, parce que je n'avais pas les 3 Become Human. Depuis quand dans VPN? Depuis hier, le retard. Pardon, mais pour au moins, hé, il y a un live. Il y a un live, on est bien, je régale. En fait, truc par contre qui est frustrant, là on va parler hashtag Vush. C'est que là, c'est comme mes Vush. Vous avez vu la photo? Tu sais, j'ai enlevé, ça faisait des bails. Des bails de Fabrice Ebou, des bails de Tighty Bob. Là, j'ai lavé mes Vush. J'ai lavé mes Vush et bah du coup, séché et tout. Là, en fait, j'ai l'impression, c'est un process entre l'ancienne coupe, mais un peu défrisé. Du coup, tu vois, genre j'ai un buisson. Genre, j'ai pas mes boucles. Du coup, je suis pas encore. Je suis pas satisfait là du retour. Là. Mais je pense que demain, ça sera bon. Je les ai enlevés seuls. Ouais, je les ai enlevés seuls, pépère. Tranquillo, je les ai enlevés. En vrai, je pensais que ce serait plus dur. Après, bon, moi, c'était des tresses collées. Donc, je pense que c'est un des plus faciles à gérer, tu vois. Allez, c'est Fabrice les boueurs. Laissez-moi tranquille. Faut se laver aussi. Je suis lavé, laissez-moi tranquille. Attends, je vais mettre deux sons. Le truc, c'est que tu vois, le problème, c'est qu'en fait, là. Ça, mais quand tu fais un live avec Théorus, c'est. Qu'est-ce qui fait dire que Théorus va arriver avant 18h30, tu vois ou pas? Tu vas restream du Zo Tycoon. Bah en fait, Zo Tycoon, tu vois, j'ai mis un sondage sur Twitter. Parce que, comment on dit? Là, on va jouer à D3 Become Human avec Théo, là. Enfin, si, il daigne arriver. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Là, en fait, pour le Zo, j'en parlais avec Pota, il avait raison, il disait. Mais, pourquoi tu fais pas avec les dinos? Tu kiffes les dinos? Après, du coup, c'est vrai qu'il dit, j'étais en mode, bah il a raison. Du coup, pour moi, c'est quoi le mieux? On continue le Zo? On recommence sur les dinosaures? Sachant que moi, les dinosaures. J'ai déjà joué au 1, donc j'ai joué. Donc ça sera plus fluide. Et hey, d'ailleurs, chaîne VOD. Chaîne VOD, allez-y. On dirait que tes cheveux sont plus épais. Ouais, il y a ça aussi. Mais tu vois, je pense, demain ou les prochains jours, ça sera moins épais. Dinosaures. Hey, on est trop débiles, on aime trop les dinos, frère. Attends, je dis à Théo, je crois qu'il est là. Hey, c'est... Frère, en même temps, qui aime pas... Un jour, t'as joué à Roblox, c'était un mode sur le caca, c'était trop bien. La gueule de la phrase. C'est ça, bon. C'est ça que je vais laisser sur Internet. J'ai joué à Roblox, ça sert de caca. Bon, ce qu'il faut qu'on refasse, je l'ai déjà dit, mais... Faut réchauffer les autres, c'est on fait un... Putain, comment on dit? Koh-Lanta Roblox Caca Box, ça, c'était exceptionnel. Ça, c'était exceptionnel, ça. Ça, c'était du grand business. Va te faire enculer, ça y est, choisis si tu lances ou pas. Je l'ai dit! Attends, je lance à 16h10, je lance à 16h47. T'as kiffé le conseil hier? Ouais, c'était lourd de ouf. Eh, hey, d'ailleurs, je vous jure. Là, c'est instant prouveur. Oh, à un moment, on faisait la queue dans le vestiaire. Et il y a un mec qui m'a reconnu. Du coup, il a crié, il y a un autre qui m'a reconnu. Et ça a crié, ça a fait une émeute. C'était trop drôle, mais c'était abusé. C'était de ouf. En mode, je suis qui, moi? Moi, en mode, je suis Théorus. Ça fait des émeutes. Je suis pas Théorus, moi. Restez tranquille, les gars. Mais en vrai, ce que j'ai vu, c'était des. Vous êtes des. Oh là là, vous étiez des bons. Prouveur. Ah non, j'ai prévenu, donc c'est pas un prouveur. Et ta gueule, Théo. Et du coup, pour la vidéo, on n'est pas tout seul, on est avec. Théorus! Ouh, Grim Kijo! Ça va, Théo? Ça va. Yes. Oh la grosse canette, t'es sponsor ou quoi? Mais non, c'est la résonance. Hashtag ad. Oh là là, voilà! Tu vois? Bon, du coup, Théo, envoie-moi ta cam. Parce que Théo, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Twitch. Et sur Twitch, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch? C'est vrai. Attends, comment je donne la cam?
Tu vas sur Best Ninja, tu cliques et tu mets un. Et elle te fait enculer. Alors, du coup, je disais. Je disais quoi? Sur Twitch? Toi, tu tapes. Ok, on est sur Twitch, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch? Des streams. Et on peut stream quoi notamment? Des jeux. Comme quel jeu par exemple? Fall Guys. Non, le jeu qu'on va stream là, le jeu qu'on va stream là maintenant là. En fait, on va streamer quoi? Bah, tu sais. Merci Stream Beats pour les beats. Wow, ouais, c'est sale gueule là. Oh, pas de caméra finalement. Quoi ça? Eh frérot, t'inquiète, j'ai mon afro elle est gaze là. Non, là, je suis fatigué frère, j'ai pas beaucoup dormi. Eh, on voit frère, on voit. Envoie, c'est chiant, comment je t'envoie? Je sais pas. Mais en gros, tu crées un. Comment on dit? Tiens, je t'envoie. Ah, en gros, t'es sur Best Ninja, en haut à gauche, t'as un lien. Je t'ai envoyé. Putain, enfin! Ah, c'est bon. Tranquille ou pas? T-shirt Zen là, bah ouais, on est corporate frère. Attends, je regarde la cam. Merci mon gars pour ça. Merci Mathéo Dupe. Attendez, oh les gars, je vous montre la cam, c'est une dinguerie. Ouah, non, la tête, c'est trop, mais. Hey, Kili. Pourquoi personne t'a dit que t'étais moche comme ça là? C'est une dinguerie. Attends, comment on fait déjà? T'as même pas mis la source du navigateur. Attends. Cam Théorus, hop. C'est le lien. Attention au screamer, le chat, ça peut faire peur. Ah, ah la tête. Ah, mais qui lui a dit? Qui a laissé ce mec cook? Sérieux, mais putain. Pourquoi ils rigolent tous? Non, tranquille, ouais. Pourquoi ils rigolent tous? Ok. Tu connais, frère, c'est le running gag, tu vois, au calme. Théorus, le chat. Eh, ta grande gueule, un peu. Ça va, bouffon? Ouais. Attends, faudrait que je lance le jeu, peut-être. Oh là là, il est chiant ce petit. Ah, tout ça? Chiant carrément? Je trouve ça sacrément extrême. Attends, est-ce que vous entendez bien Théo déjà le chat? Oui, on entend bien, oui. T'es pas oui. Le chat, tais-toi. Non, je suis dessus. Putain, et malheureusement, oui, t'entends. T'as de la chance. Ah, la vanne du. Oh, un peu trop, mais on entend un peu trop, non? Bon bah, on pense, chaque fois la même quoi. Il pense que tu devrais le mute, ce serait mieux pour tout le monde. Attends, est-ce qu'on peut mettre le son de Grim Cujo à zéro sur le stream? Dommage pour Grim. Attends, ta gueule. Toi, tu permets, je mets à bonne place mon logo NordVPN en fait. Allez hop. Putain, arrête de faire enculer. C'est ça d'être un streamer actif, Théo. Back. Ah putain, faut que je te le partage aussi, tu m'emmerdes. Oh, tu m'emmerdes. Putain. Bon, le jeu se lance. Hey, Théo, parle-nous de ton actu un peu, parle-nous de ce que tu fais de nouveau, de... Là, j'avance à le petit effet caca-boss qui va arriver, puis voilà. Ouais, ouais, tu veux dire le nom ou tu veux pas dire encore? J'ai déjà dit, je crois. Vas-y, il y a 12 gouttes de pipi. Hello, man! Les 12 gouttes de pipi, très cool. Les 12 gouttes de what? Les 12 gouttes de pipi. Et des vidéos toutes les semaines, je pense, si j'y arrive. Ah ouais? C'est quoi la prochaine vidéo? Normalement, c'est le Bedwars avec Inox Tag là. Ouh! Putain, moi je me rappelle, c'était marrant. J'ai hâte de voir ce que la vidéo. Wesh, t'en as 10 tracks commentaires là. J'en ai 10. Il me répond pas, il me répond pas sur Twitter là. Il m'a dit, je te finis avant ce week-end, on est dimanche à 17h. Attends, je rame ou pas? Oh putain, je rame. C'est le temps que je lance le jeu, je rame sa mère, je crois. Anime Théo, chante le temps que je télécharge les shaders. J'ai le blues. Théorie s'enchaîne les vidéos alors que Grim mange son caca au lieu de sortir en mauvaise école. Mais il est trop con, frère. Attends, mais la cam elle bug ou c'est ton truc? Non, c'est mon live, je suis en train de télécharger un truc là. En gros, t-shirt KFC, oui, c'est Talister. Regarde, t-shirt KFC. De quoi? T'as un t-shirt KFC? Oui, c'est leur collab, regarde le dos. Mais c'est pas la même marque que Terra? Attends, Calister. Ah non, peut-être qu'il t'a envoyé des saps, non? Il m'a envoyé des saps. Mais franchement, c'est cool. Moi perso, j'ai reçu des saps de Walking Paris. Voilà, bon, c'est pas une compète, hein. C'est pas une compète, frère, mais bon, voilà. Putain, mais à chaque fois, mais c'est un truc de fou quand même que. Comment c'est possible que je rame alors que j'ai acheté 16 Go de RAM en plus ou 12? Mais je pense que c'est doublé. Juste ton processeur, hein. C'est quoi le processeur? Ça n'a rien à voir avec la RAM. Ça n'a rien avec la RAM. C'est quoi le processeur? C'était con, quoi. C'est quel composant, genre, dans. Bah, le processeur. Il processe.
Mais encore. Similaire pour les bits. Je connais pas les processeurs, c'est dingue. Hein. Mais frérot, dis-moi un exemple de processeur. Processeur 5. Il y a quoi de drôle? Si, ça m'a fait rire, moi. Attends, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est lui qui gère tout ton ordi? Bah, dites-moi, genre, un exemple, genre AMD. AMD, c'est un processeur ou pas? Ah, ça dépend de ta carte mère. Il y a des AMD et genre, Intel. Comment on dit genre Intel. Ah, c'est pas carte graphique, ça? Attends. C'est autre chose. Mais t'es en train de me dire que tu connaissais pas les processeurs, là. Non, mais je vois c'est quoi, mais je sais pas c'est quoi dans mon PC. J'espère que ça va dans le chat en tout cas. J'espère que vous êtes chaud. Tu peux lancer du coup ? Quoi ? Tu peux lancer du coup ? Je suis à 12%. 12% de quoi ? Paramétrage des shaders, là, skip, ça s'installe là. Ah ok, je crois que tu l'installes, je suis d'accord. Ah non, mais non, je suis pas con, j'ai installé le jeu avant. Ah mais je vais bien. Il lag de fou le stream, non, c'est une hallucination auditive, les gars, les chats. C'est pas auditif du tout, là, c'est vraiment visuel. Hein, c'est auditif. C'est vraiment visuel, hein. T'as déjà fait des ça en vrai. Attends, t'as quoi qui est ouvert sur ton ordi? Enlève les trucs qui prennent. Je te jure, je n'ai rien d'ouvert en fait. Fais contrôle alt sup et gestionnaire de tâches et tu regardes tout ce qui est ouvert. Contrôle alt sup, ça va me faire. Ça va me faire mes Streamlabs. Mais là, t'es con ou quoi? C'est pour le gestionnaire de tâches. Attends, je suis en gestionnaire de tâches là. J'ai que des 3 d'ouvert. Mais je te jure, gros, j'ai acheté de la RAM, c'est inutile. Mais la RAM, c'est autre chose. Ah, processeur 100%. Et qu'est-ce qu'il prend sur la question du processeur? OBS et D3. Y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre, frère. C'est pas normal que ce soit 100%. Mais si, ça veut dire il bosse là. T'as pas genre un Google Chrome qui est ouvert, un truc comme ça? Ah, je fais au charme Google Chrome. C'est mieux. Mais j'ai rien d'ouvert dessus. Dac. Toi, t'es vraiment un saliste putain. Eh, je suis sûr, j'ai fermé tous mes onglets, frère, sauf Discord. Google Chrome, ça prend aussi un peu de processeur. C'est plus de la RAM qu'il prend, mais c'est chiant quoi. Bah, c'est bon, j'ai enlevé là. J'espère dans le chat vous êtes chaud. Chaud de night. Ouh. Vous avez quel âge? 44 et Théo 32. Change ton pro. Attends, c'est normal, le jeu charge, c'est pour ça. Ah ok, d'accord, merci Zaldian. En gros, c'est juste que vu que ton jeu il charge le shader, je pense que du coup il prend grave du bah oui, mais pour eux, quand je l'ai dit, vous m'avez pris pour un fou. Merci Zaldian d'avoir au moins éclairci tout ça parce que moi. J'ai dit le jeu quoi. Il paramètre les shaders. Mais tu veux pas acheter un PC bien. Et tu vois, ça, le problème, c'est qu'en fait, vous croyez que j'ai un PC de merde, sauf que mon PC, les gars, déjà, j'ai changé la RAM et mon PC, il est bien. Attends, regarde. C'est quoi? Attends, j'ai dit la composition de mon PC, vous allez me dire si c'est nul ou si c'est. Oh, c'est voilà. Pourri, frère. J'ai même pas eu le temps de dire. Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas eu le temps de dire, tu vas voir, toi. Attends. Vas-y. Comment on dit PC. Ok, écoutez-moi. AMD Ryzen 5 5600X. En vrai, c'est bien ou pas? Genre Orvan. Non, c'est nul. Plus dingue, hein. C'est pas dingue. Hein. Mais c'est honorable. Non, c'est ok, franchement, c'est ok, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Oui, ça va, bof, pas ouf. Parce que t'as les Ryzen 7 et les Ryzen 9 maintenant, c'est les derniers. Hein. Il coûte 330 balles! De quoi? Le AMD Ryzen. Mais y'a plus 5. Lequel, le sien? Le mien? Non, c'est pas dingue. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une discussion normale, Théo? Mais là, juste, c'est pas dingue. Mais attends, mais il coûte combien maintenant? Tu viens de dire 300 à l'instant. Non mais les 7 et les 9, fils de pute, si je veux l'améliorer. Ah. Ok. €8. Ah, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème, vous dites n'importe quoi. Et aussi, attends, et du coup, c'est dur à changer un processeur ou pas? C'est chiant en vrai. Moi, j'en vends un nouveau. Mais je pense que je vais aller voir les réparateurs. Tiens, faut que je débranche mon PC, je l'amène à un mec et après j'attends plusieurs jours. Bah, au pire, tu peux faire toi-même. Moi, j'ai fait ça pour la carte graphique. Puis frère, c'est-à-dire que tu dois enlever les composants, tu dois enlever, remettre. Oh, mais ça, c'est des bails, ça, frérot. J'ai brûlé mon PC, ouais, il va exploser. Ouais, c'est trop pire. Même si. C'est facile, non. Non, mais. Ils me connaissent pas. J'ai payé. Parce que j'ai des potes, ils savent faire, mais j'ai pas envie de. Ramener une vidéo YouTube, ça passe, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, en mode un tuto. Oui, c'est tout YouTube, mais c'est accessible. J'ai pas envie de flinguer un processeur ou un truc comme ça. C'est vraiment simple. Allez, ça y est, vous faites trop les Jean-Baptiste Chou dans le chat. À chaque fois, c'est pareil. Ils font trop les. Mais mec, trop les connaisseurs. Mec, c'est le verba, mec. C'est le verba, mec. Et après, tu vois que c'est. Tu sais pas faire ça, mais putain, là, tu vois quel âge, mon gars. Mais frérot, t'es streamer, tu sais pas faire ça, mais mec, c'est le verba. Faut arrêter de se chier dessus. Je vais le faire, je vais te tuer, putain. Hop. C'est que ça. Attends, et les gars, ok, je continue la compo.
MSI MPG B550 Gaming Plus. Mm-hmm. Eh, j'ai juré, je sais pas c'est quoi. C'est pas très bien, ça. Ah ouais ? Bah, j'imagine. Pourquoi live bug ? Les gars, c'est chez vous que ça bug. Tranquille, c'est la co. Ils vont y croire ? Connais pas. C'est la carte mère. Ok, bon, merci de l'aide, les gars. Attends. GeForce RTX 2070 Super. Ça, c'est bien, ça, non ? Ou pas ? Quoi ? Oh, mais vas-y, écoute-moi ! GeForce vas-y. RTX 2070 Super. Ouais, non, là, c'est ça date maintenant. Ça, c'est un peu outdated, comme on dit. Mais t'as quoi, toi ? Moi, j'ai une 3080. Arrête de mytho ! Bah, c'est vrai, j'ai acheté à 900 balles, j'étais trop content. Mais... Prends une 3060, c'est bien, en vrai. Mais c'est trop cher. Mais je sais pas la changer, moi ! En vrai, ça, j'ai réussi à le faire tout seul. Et c'est pas non plus compliqué. C'est impossible que je le fasse tout seul, c'est impossible. Je te jure qu'en vrai. Les gars, je suis à 74%, les gars. Prenez vos balles en patience. Tu vois, la différence, c'est que le processeur, c'est ultra fragile. Mais la carte graphique, tu vois, c'est un gros truc là que tu mets. Ouais. C'est bien, tu vois. Ouais, mais il y a les 4000 en plus, Grim. Hein. Il y a les 4000 maintenant. Mais c'est-à-dire que ma config, elle est vraiment datée là ? Moi, je croyais que ma config a été OK. Bah là, elle est outdated, hein. Non, mais en vrai, elle est OK parce que. En vrai, tu joues aux jeux vidéo, c'est pas un. Juste le processeur, tu. Ouais, je suis pas un fils de pute de monteur 3D, ouais, on est d'accord. Bah, c'est pour ça, moi, c'est que la 3D, c'est de l'artistique en fait avant tout. Il a pas remarqué ce que j'ai dit. Ah, si, j'ai entendu. Ah, merde. Mais j'ai juste pas pris note, quoi, en gros, c'est inutile. Peanut. Peanut butter. Pourquoi t'as dit peanut ? Mais t'as dit c'est peanut. Non ? Ta gueule. Rien que ça abuse à dire outdated, je te jure, en mode j'ai une casserole. Mais non, t'as pas une casserole, mais bon. T'as pas non plus le. Tu l'as vendu comme le PC de fou. Mais parce que c'était un PC de fou, mais il y a 2 ans. Un peu plus quand même. Sérieux ? Mais non ! Mais je l'ai fait il y a 2 ans. Pourquoi t'as pas pris une 3000 alors il y a 2 ans ? Mais parce qu'elles sont sorties 2 mois après. Et que bah, c'était cher. Mais non, les 3000. Attends, il y a 2 ans elles sont. Ah, je sais plus si elles sont sorties il y a 2 ans. T'as raison. Toujours, frère. Peut-être raison. Bah, j'ai toujours raison, gros. T'as jamais. Je pense que t'as jamais raison d'une fois. Dis-moi une fois où j'ai eu tort, vas-y, dis. C'est bien ce qui me semblait. En l'instant. Non. Quand tu dis que j'ai toujours raison. Mais. Quoi ? Je crois que ça bug plus là, non ? Vas-y, j'ai bougé la main. Arrête de bouger ta cam. Sims. Toi, j'ai goumé. Que tu bouges dans ta cam. Ouais, ça a l'air bien en vrai. Hein. Ah putain, je bouge la main. Ça a l'air bon. Ouais, c'est fluide. Hein. Ça bug plus, parfait. Bon, là, je suis à 90% des shaders. Bah attends, j'ai streamé le jeu. Capture de fenêtre, capture de jeu. Hop. Comme ça, vous allez voir pourquoi. Bon, bah le jeu se stream pas. Oula! Ouh, fou, attends. Ouah, aïe. Ouais, attends, t'as bugué de fou là. Wesh, mon jeu des 3 Become Human ne répond pas. Attends que le programme réponde. Vous m'entendez les chats ou pas ? Oh là, t'as un cri. Pourquoi ça bug comme ça ? C'est passé quoi ? Ouais, j'ai des 3 Become Human, il a crash. Attends, faut que je relance le jeu ou pas ? Attends, je vais attendre que ça réponde. Attends que le programme réponde ou je ferme ? Mais t'as fait quoi là ? Bah en gros, j'étais à 90% des shaders. Ouais. Et le jeu, il a fait... Et du coup, ça... Il a planté. Ouais. Bon, je ferme, hein. Ferme la cam de Théo. Mais ce qu'on voit, c'est que Théo, ce fils de pute, il bouge donc. Regardez, là, tout à l'heure, il était au milieu. Tout à l'heure, il était en haut à gauche. Et là, il est re-en bas à droite, frère. Non, mais en gros, je configurerai ta cam quand j'aurai lancé le jeu, quoi. Mais bon, là, rien que... On est déjà 20 minutes de live, hein. J'espère que vous êtes chaudes. Oh, c'est bon. Vous entendez ou pas ? Non, je crois qu'il n'y a pas de son, c'est fait exprès. Ouais, je t'entends, mec. Ah, je crois faut que je te fasse un partage, toi. Putain, bah, oui. Tu m'emmerdes. Va te faire enculer un peu. Kayate. Oh, attends. Mais il n'y a pas de son. Mais en fait, le truc, c'est que même moi, j'entends rien, là. C'est normal ou pas ? Je pense que c'est normal. J'espère. Fais un partage, hein ? Vous avez entendu ? Vous entendez ou pas ? T'entends quoi ? Moi j'entends rien là. Attends, mais je demande au chat. C'est bon, je te fais un partage. Oh putain, je trouve pas des 3 Become Human sur partage Discord. Je te screen mon écran.
Non mais c'est insoutenable. Mais c'est insoutenable. Ah putain, mais je sais pas si t'entends. Je souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guide. Mais ça bug. Ça bug. Vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Fais un partage de jeu, connard. Attends, ma gueule. Ça bug pas? Ok, attends. Bah c'est bon, mais juste mes leçons. Mais gros, sur Discord, je te jure, il n'y a pas Detroit Become Human. Mais attends. Si, normalement, il a... Ah, putain. Partage d'écran. Écran. Discord. Non, pas écran. Dans... Ah, stream de Detroit Become Human. Mais c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? T'aimes bien ou pas? Tu vois ou pas, petit bouffon? Attends, ouais, j'ai rendu bon, ta cam aussi. Ta gueule. Stream mis en pause. Grim, plus je vais minimiser son application, ne bouge pas. Mais guettez comment il a mis sa cam, ce chien de la casse. Attends, mais oh. Non, je me remets, attends. Allez, centre-toi. Hop. C'est bon. C'est bon pour vous, le chat, y'a plus de bugs. Est-ce que c'est bon pour vous? La ferme. On met des sous-titres ou pas? Comment je regarde, celle-là? Avec des sous-titres merde, allez, on met moyen. Continuado. Ajustez vos paramètres d'écran. Vas-y, on fait ça, Grim. Faut ajuster. Vas-y, allumez, allumez, allumez. Est-ce que l'icône centrale soit à peine visible? Vas-y, vas-y, monte, monte, monte. Eh, mets à fond, on s'en branle. Bah, c'est bon là, non? Continuez. Merci. Sélectionnez votre profil. Vas-y, vas-y, on va le sélectionner, mon gars. Waouh, t'es expérimenté occasionnel. Et surtout l'immersion avec des commandes avancées, un défi plus corsé, les erreurs peuvent mener à perdre un personnage. Vas-y, hein. Bah, je m'ai expérimenté, non? On est des bonhommes. Ah ouais. Bah ouais, c'est plus drôle. Je n'ai rien, laisse tomber. Vous pouvez. Jimmy VF, les gars, vous en faites pas. Ils sont cons, quoi. Ouais, on peut commencer des trois, ouais. Simple histoire. Ceci est notre avenir. Ouais, ta gueule. Oui, d'accord, Gandhi. Fends ta gueule. Malade, wesh. 2038. Damn. Attends, Terra, il aurait quel âge? Beaucoup trop. Je crois qu'il va taper les 200, hein. Wesh. Oh, 62. Ouais, hey, aïe, 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 aïe. Oui, attends. Oui, oui, comment il fait? Comment, oh, il fait, comment il fait? Attends, je vais mettre. Mais va te faire enculer, t'as la queue de C, je peux pas la voir là. Je vais mettre ta cam de merde à gauche et je réduis ma cam. Hop. C'est bon, on fait comme ça, c'est bon. C'est bon pour vous? Petit ref. Reprendre. Oui. Ouais. 70ème carrément. Waouh. Aïe 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 aïe. Ah ouais, okay. Délire. Le délire robotique, le bail. Je répète, le négociateur vient d'arriver. On va le jouer là? Bah oui, c'est le but. Yeah, oh, oh man! Y'a aucune transition, c'est direct dans le jeu. L'immersion est totale. Je ne peux pas la laisser. Vas-y, vas-y, il faut prendre des indices aussi, je crois, dans la scène de crime. Tac. Ah, j'ai oublié qu'on s'est commencé comme ça. Ouah, John Phillips. Caroline Phillips, Emma Phillips. T'as les descendances 99. Oh, 199, une 2001. Ah ouais, 2001, c'est nous. C'est comment, nous, je... Wesh. Comment je pose? Bah, tu écris à droite, regarde. Non mais... Ah, putain, faut que je fasse avec la souris le mouvement. Bah ah oui. C'est le but. Ah mais ça doit jouer à la manette, non? Qu'est-ce qu'il fait? Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Ouais, frère, on a occupé ma gueule. Vous avez envoyé un autre oeil. Et alors? C'est le raciste, va. Ça la raciste. Attends, je tourne ta cam. C'est quoi? Viens, on la sauve pas. T'as voulu faire la maline, hein? T'as voulu faire la maline, hein? Elle est malade, elle, c'est bon. On vient, on fait nos taf et tout, tranquille. Vous devez envoyer un véritable être humain. Par contre, j'avais des mecs dans le chat, pas de backseat, tout comme ça, genre. Ouais, aussi, ouais, ouais. S'il y a de l'aide, à part si on demande, c'est bam. Voilà. Profitez. Okay. Trouver le commandant Allen. Ah bon, c'est bon, j'aime bien. Oh, il est bien aussi. Mais pour une fois, tu peux jouer un jeu sans le lag, quoi. C'est beau ça. Parlez au commandant Allen d'abord. Attends, si t'as écrit. Attends, t'as du commandant, moi j'ai eu CBD, frère. Ah, mais toi, tu prends la coke, toi, ça le problème. Ouais, la drogue. C'est lui, commandant Allen. Ouais, vas-y, parle-lui. Commandant Allen. Oh. Donald. Je suis Peter Parker. Par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. T'as une preuve? Il a déjà descendu 2 de mes gars. Il a le droit de faire ça, mais non. Descendre, mais ils sont sur non, les robots, ils disent qu'ils peuvent pas, si les robots. Et oui, parce qu'il y a les 3 règles, Isaac Asimov. Asimov, voilà. Nom du déviant. Bah, non, comportement, on s'en fout du nom. C'est déjà comporté. Très bien, comportement, on va voir si c'est un déviant ou pas. J'en ai aucune idée. Ça, je crois que je t'aurais choisi. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Non, sinon, il aurait rien dit. Vas-y, choc émotionnel alors. Vas-y. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute,
La priorité, c'est de sauver cette gamine. Oui, mais il dit pourquoi il est négociateur. Putain d'androïde. Ou c'est moi qui m'en occupe. Toi, t'es un sale raciste, toi, mon gars. Toi, t'es un raciste. Putain de raciste, toi, frère. Oh non, ça a baissé. Ah, de travailler du mec. Je m'en fous. Bah, 40, c'est pas ça, 40, tu penses qu'il s'est balé sauver l'otage à tout prix. On a moins d'une chance sur deux. Attends, il y a un truc, reviens. Il y a un truc par terre. Ah ouais ? À droite ? Là. Non, mais. Ah, la boîte, frère. Frérot, je peux pas la ramasser ta boîte là. Non mais ouf, la boîte là-bas. Voilà, oh. Analysez. Oh là là. T'as à l'œil hein. Mais oui. Ok, vas-y. Oh purée. Munition okay. Calibre, ok. Et pièce initiale. 300 mm. Vas-y, on prend. Il y en a un deuxième truc à scanner. Deuxième, j'ai trouvé. C'est la boîte, non? Il y a ça. Ah, alors, oh, ah, attends, oh, c'est bon. Oh purée. C'est quoi, c'est Black quoi Hawk Mass. Black Hawk MS853. Vous voulez que je monte le son du jeu, les gars, ou ça va? Attends, on reconstitue. Ok. En vrai, il a ouvert la boîte, quoi. Ah, attends, reviens. Ok, du coup. Vas-y, regarde, là. Prends la valise. Mais y'a un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Roméric? Regarde, tu peux cliquer, là. Vas-y, et là, t'analyses. Ah, t'as déjà pris l'arme du père. Putain, t'es fort. Ah, tu sais, tu me sers d'œil. Mais non, mais surtout que c'est vraiment énorme quoi le kick. Trop du cul. Va te faire foutre. Bah c'est bon alors. Ok, ouais, je pense que c'est bon, je trouve ça. Terminé. Vas-y, on peut sortir. Ah, table, ok. Hop. Ok, maintenant on a pris un peu plus. Ça a augmenté les probabilités de réussite. 50%, comment ce qui s'est passé? Oh. Vas-y. Attends, tu penses qu'on fouille encore ici ou on fouille dans l'autre salle? Bah là y'a rien d'autre, j'ai l'impression. Bon y'a les mecs là, on peut leur demander. Ah fou, y'a la chambre de l'otage. Bah c'est celle-là la chambre de l'otage, non? Non, ça c'est la chambre des parents, c'est la petite fille qui est en prise d'otage. La petite fille c'est une chambre d'enfant j'imagine. Ah là. Putain c'est une 2030, c'est trop con quand même que c'est une 2030 la meuf hein. 2030, mais c'est-à-dire elle a 8 ans. Ah oui. Bah ouais je crois. D'après leur truc. Avec grosse tablette et tout, ça vit hein. Lecture. Oh. Ah c'est toi. Ah c'est trop moche. Non bon c'est Léopold. C'est vrai que c'est Léopold de fou. Tu mets une moustache et Léopold. Daniel, ok. Question présente, Daniel. Son grand ref. Mais non, c'est son androïde. Ah putain. Tu sais, il avait le truc sur sur la tête là. T'as vraiment en enquête à deux hein. Vas-y. Écoute. Oh les écouteurs. Oh j'avais un casque comme ça, c'est trop nul. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Ok, merde. Ça veut dire il s'est peut-être fait tuer à son insu, l'enfant. Attends, mais il a tué quelqu'un à l'endroit ou pas? Parce qu'il a pris un otage à meuf, mais il a tué quelqu'un. Je pense ce qui s'est passé. Moi je te dis, Théo, je pense l'endroit il a pété un plomb, il l'a tué et là du coup il regrette maintenant. Allez-vous-en! Ah, il a tué quelqu'un du coup, j'avais pas compris. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, on avance, on va fouiller encore, on va fouiller encore. Ah ouais, attends, ah ouais, attends, tu peux analyser ça ou pas? Quoi? Non, je peux pas analyser. Bah, le casser là. Il va par là. Ah, c'est l'entrée ça, c'est de l'entrée. Ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a tiré? Qu'est-ce qu'il a tiré? Quoi faire? Ils ont tiré? Attends, ils ont tiré! Mais ils l'ont tué là, non? Mais non, ils ont tiré sur moi. Oh, attends, quel cadavre, quel cadavre! Mais ils ont pas tiré à l'instant, Théo. Ah, ok. J'ai tiré à l'instant. Ah mais y'a un timer avant que... Arrête de mytho. Mais je sais pas, ils disent faut se dépêcher. Décédé, ah bah j'avais pas remarqué, merci hein. Bon bah décédé, ok. Vas-y, y'a quoi d'autre? 10-90 mais... Oh. Non mais attends, y'a encore des trucs à fouiller. Ah putain, ils sont en train d'avancer là. Ouais mais analyse. Vas-y, viens, on analyse, après on y va. Après on va négocier. Vas-y, aussi. Faut rester je crois. Ok. 84, 1m80. Ah 4 ans, ah, okay. En fait faut que j'appuie sur les plaies. Voilà. Mais sur par balle, calibre, tomber. C'est l'arme qu'on a trouvé. Pop. Ah ils ont sorti le fer hein. Vas-y. Ok. Ah ok très bien. Quoi ça? Par balle de calibre, ok. Il non, s'est pris. Putain il a pris 2 balles hein. Putain ils ont fumé Pop Smoke qui était bien ou pas? Oui j'ai la ref mon gars. J'ai la ref, c'est ta ref hein. Oh, reconstitué, attends. Ouai, vas-y. Ah, c'est bon, il est vivant. On l'a sauvé. Comment il est posé. Et là, tu vois, c'est là, je lui dis. Attends.
Le père fait quelque chose. Vas-y. Oh putain, on peut se dinguer, frère. Wouah. Gribap. Vas-y, là-bas. Il n'y a pas à dire. Mais frère, t'es con ou quoi? Mais j'ai t'enculé. Je vais t'enculer, t'as pas fini. Ah merde, je croyais qu'il fallait sortir du bail pour y aller. Non, par contre, y'a pas à dire le monde est méchant pour comment ils l'ont fumé. Hein. Ah voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Voilà. Ah ta gueule. C'est quoi ça? On a fait quoi? Mission déverrouillée, frère. C'est bon, on a analysé des événements là, c'est bon? Ah mais c'est quoi qu'on a? Hop, tu vois, là on va y aller. En gros, je trouve qu'il faut y aller direct pour ça. Tac, ah, allez. Prendre ça. Déverrouillé. 8900 balles! Il en a reçu 8900 balles! Bah, en vrai, 10 000 dollars, hein! CyberLife! Eh non, ici c'est NordVPN, mon gars! Non, mais comment ça on a reçu? Mais non, c'est le prix, connard! Débloquer un dialogue ou une action souvent bénéfique. Oh yé! Vas-y, on y va, frère, il commence à tirer! Frérot, il nous reste. Il a fumé un truc. Attends! Moi, je veux au moins 70%! 70%! Ah ouais, parce il a fumé un flic aussi! Je veux 70%, frère, c'est pas assez, 66 là! Un 10, ok, allez! L'analyse formelle, il est très très moche. Pardon, Anthony. Oh, Anthony Descartes. Il y a une icône, Romy. Hémorragie du ventre, calibre interne. Attends, mais il a fait un monster kill. Oh, il y a pas. Il est mort à 20h03. 77 kilos, ça va. Putain, je suis plus lourd que lui, ça veut dire. Ok, attends. Et le troisième, il est où? Ah, ok, là. Il y a quoi? Hop. Ah, c'est torché, c'est mal torché. Il s'est mis du ketchup sur la main, il est trop con, wesh. Que de la merde. Du gros ketchup sur la main, concentre-toi, gros. Attention. Yippie! Ok, va dans le jaune, il y en a deux. Ouais. Comme ça, ouais. Ok. On peut essayer à tirer sur le déviant, ok. Ok, ensuite, c'est quoi ça? L'otage assise. Ah merde! Ah, c'est la gamine! Du coup, la fille. Ah, oh, la gamine, elle a vu le flic se faire descendre! Il y a un truc qui est où? Ouais, oui, ah, le Glock il est tombé. Arme localisée. Ah, attends, mais on est trop fort! Là, on enchaîne. C'est du speedrun là qu'on propose. Oh là là. 60. Attends, mais pourquoi on est pas passé à 70? Toujours pas là? Non, arrête. On est à 68. Oh. Elle se tient une balle dans la tête, mec, a rien compris. Le gros con. Théorus trop fort, allez vous faire foutre. Merci. Vous êtes débloqué. Merci. Un dialogue ou une action sont bénéfiques. Attends, merde. Ok, et là, vas-y, on regarde. Ou autre aussi, Mais tu sais, par contre, je suis sûr que ça arrivera dans un futur plus ou moins proche. Hein. Là, ils font déjà ça un peu sûr. Tu fais quoi, fils de pute? Ah, t'as vraiment, mais ça, c'est un tapin, ça. Attends, deux secondes. Juste, faut que je baisse le son, ça me casse trop les oreilles, là. Attends. Purée. Oh. Ok, attends, le son, il vient trop rototé, là. Parle pour voir, Théo. Attends. Non, le truc, c'est si je baisse aussi ta voix. Bon, c'est bon, tant pis. Ouais. Parce que le jeu, il me casse un peu les oreilles, mais j'ai pas le temps de m'endouiller, là. Je pense qu'on peut y aller en vrai, non? Attends, analyser. On gratte tous les pourcents. Tous les pourcents sont bons à prendre. Oh. Vas-y, mais lèche pas du sang. Pourquoi il mange le blueberry là? C'est en bleu, frère. C'est en bleu, frais. C'est en bleu. Du sang d'androïde. Bah oui. PL600. Ouais, c'était de la merde ce modèle. Tu te rappelles ou pas quand ils l'ont sorti? Ouais, ça c'est dingue là. C'était un peu lâché, mais. PL500, moi je préférais, mais vas-y, ils ont jamais bien. Quoi, ouais, juste. En vrai, la base, ce connard. Je l'ai bien en double. Oh. Attends, on y va? Oh merde, bon bah. Vas-y, on y va. Ah oh, il m'a fait trop peur, j'ai pris le bruit, il m'a fait peur. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Reste calme. Robot, PL600. Pas de mouvement brusque. C'est quoi le crunch? Comment il tient? Non, vas-y, donne le nom. Bonsoir Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Eh frérot, on t'a enquêté. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Mais non. Hélicoptère de merde. Fils de pute d'hélicoptère. Vas-y. Attends. On le rassure. Non, qu'on pas tire, je suis un robot. Tout comme toi. Je sais ce que tu ressens. Quelle différence ça fait que tu sois un androïde? T'es dans leur camp. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. Est-ce que t'es armé? On ment ou pas? Dis la vérité. Ouais, vérité. Oui, pas mentir. J'ai une arme. Lâche-la. Pas un geste brusque ou style. On la lâche ou pas, Théo? On la lâche ou pas? Bah ouais. Putain. Voilà, très bien. Wouhou. Je n'ai plus d'armes. Attends.
La 2, la 2, non? La 2, je pense elle est bien. Vas-y. Sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Oh putain, ça monte. Okay, on est bien là. Je croyais qu'elle m'aimait. Emma, c'est la gamine là? Mais j'avais tort. Finalement, ou c'est la femme? Je crois que c'est la femme, non? Daniel, non! Ta gueule, toi. Attends. Vas-y, la une, du coup. La une, vas-y. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Merci, Donald. Je pensais faire partie de la famille. 86, c'est bien, Théo! Je croyais que ça je comptais. Lâche ton arme! C'était que leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Attends, j'attends un peu là. Okay. Compatissant, putain. Compatissant, 3. Vas-y, écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs de ton programme. Non, vas-y. C'est pas ma oui, faute. Oui, 92. Oui, j'ai jamais voulu ça. Non, tire pas. Oh. Mais j'étais rien à leurs yeux. Oh. Arrête, laisse la route. Donne tes ordres. On va te sauver, petite! Oh purée. Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Bah oui, vas-y, non! Accepte, bah oui! On s'en branle l'hélicoptère! Hey, t'as vu? Quoi, il a rien! Ratio, direct! Voilà! Et hop là, plus un! Voilà. Allez, rentre chez Watt, frère! Ok, qu'est-ce qu'on fait? 99! C'est bon! Rationnel ou derrière? Inspirez confiance! Tu dois me faire confiance, Daniel! Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Oh! 99%! Putain, il stagne! Non mais là, Théo, faut qu'on fasse le choix qui nous met à 100! Voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Vas-y, trop gourmand, frère! Attends. Aussi. On sacrifie? Compromis? Oh non! Compromis! Trouve un compromis! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je peux pas me sacrifier, j'ai la flemme! Ouais, mais c'est vrai, on a un choix au-dessus qu'on pouvait pas. Non, bon, rassurez. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Oui, 100%. J'ai pas envie de me sacrifier pour lui. Oh. Je te fais confiance. Yes. Oui. Il va se faire tirer dessus. Nicolas, ça va me faire tirer dessus, tirer sur le grand pont. Wouhou. Aïe. Ah merde, ils l'ont fumé. La gamine, elle voit ça. Ouais, ils l'ont explosé. Mais les gars, sacrifié, on serait mort, non? Mais non, parce qu'en gros, t'es un androïde, donc tu peux respawn. Ah. C'est de la mémoire, quoi. Tu m'as menti, connard. Ah, je suis deg. Ouais, on t'a menti, ouais, bah. C'est vrai. Il m'a fait de la peine, après, un peu, là. Après, pourquoi ils ont tiré aussi? C'est des bâtards. Oui. Oh là là, il a du flow quand même, hein. Il a du flow, Connor. Il a des gros bourratignos dans sa gueule. Mais qui a douté de nous, frère? Oh là 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 là. C'est une fin de live. Mec a vraiment pas envie d'être là. Attends, ok. Ah, c'est bon, enfin fini, putain. Trop de la merde ce jeu. Il y avait un keuf à sauver. Eh, tant pis pour lui, frère. Eh, fais quoi? Tant pis, dommage, hein. Continuez, hop. Attendez, c'est mieux les cams à gauche, les gars? Ah, mais oui, les choix, ils étaient à droite, merde. Attends. T'as juste 2 secondes. Navré pour le trou, hein. Mais hop, comme ça, on est bon. Et moi, je suis où? Cam. Snap cam, hop. C'est quoi ça après? Cyberknife Incorporation. Tac. Passe ton numéro à souffrir. Reboot memory reset loading OS. System initiation. Checking engine. Memory station. Memory status all system. Ok, come on, let's go, man, come on. On se réveille. Elle veut quoi elle? Le réveil. Regarde ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez Zoé, on y va. Ouais, dégage. Et vérifie les devoirs des enfants de. Attends, je rends une ta cam, ça me perturbe. Purée, comment ça m'énerve celui-là. Hop.
Mets un peu de transparence sur les cams, mais vous croyez que je suis David Lynch, moi ? Jusqu'aux études supérieures. La transparence sur les cams, mais... Mon cœur, regarde-moi ça. Aaron, il a raison, mais je sais pas comment faire. Regarde à droite. Prends ça. Ah oui. En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À 7 990 dollars. Wow, 1800 euros, c'est pas cher en vrai. Il comprend une garantie pièce et main d'œuvre. Frère, soit t'imagines, toi tu prends une 4090, soit tu prends un Android. C'est une dinguerie quand même. Pourquoi c'est 4090, c'est à combien? 4000. C'est cher maintenant, c'est plus de 2000 balles. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un peu plus élevé. Qu'est-ce qu'il regarde lui? Tom Holland? Ça a aucun rapport. Hein. Je prends son gros manteau. Salut. Ah non. Ah non, vas-y, j'ai pas été acheté par un vieux schnock, frère. En état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Attends, par contre, j'avoue, c'est raison. Le robot de Cyrus North, il a coûté plus cher que tous les robots ici, frère. Enfin bref. Ouah, c'est dinguerie. Il a coûté 10 fois plus cher que tous les robots présents. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Tout ça pour spignoler. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Douglas Memphis Junior. Curtis McKenzie. Je m'appelle Kara. Pourquoi il m'achète lui? Salut. Mais non, mais t'as pas écouté ou quoi, t'es con? De quoi? Oui, c'est pour il ça. Il achète pas là, il a fait rénover. Ah. Non, je crois qu'il l'avait déjà, mais il a tabassé en gros. Tu permets, c'est générique là. Yeah! Valerie Curie, Brian Deschardes. C'est la France. Jesse Williams. C'est la France, yeah. Y'a pas d'autre nom? Clancy Brown. Minka Kelly. Lance Erickson. Production Director Sophie Bell, Christophe Grusso, Jean-Charles Perrier, et moi je fais un sort Pellegrino. Emery Contouché, Benjamin Dippé. Putain, les bâtards, ils ont mis son nom sur un truc blanc, personne l'a vu. Bon bah lui, faut pas l'amener au prud'homme, hein. Oh, on rigole. Ronan Marshallow, Antoine Gabriel-Bleu. Qui les connaît, respectez, wesh. Aurélien Loiseau, Fabrice Mondry. Get you today. Terrace production, no way. Mini prod effort. Yann Garbouillon, Aurel San. Maxime Brochin. Romelu Lukaku. Christophe Nkunku. Colomwani. Pili Pili. Aurélien Baguette. Pizza Guys Prod. Putain, guys. Oh putain. Tu regardes quoi, toi? Attends, il regarde trop mal. Eh, on donne pas, le mec méchant. J'ai perdu mon job à cause des androïdes. Oui, comme bizarre, hein. Tu trouves ils sont racistes, les androïdes? Bah, c'est sûr. Est-ce que dans leur monde, du coup, t'as du racisme normal, du coup? C'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve, Théo, qui sont racistes des androïdes? Bah, la pancarte, quand même. Selon qui? Nicolas Cage. Non, il est pas dedans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, bouffon. Du coup, tu penses qu'ils sont racistes ou pas encore maintenant, en 2038? Y'a encore du racisme ou c'est que envers les androïdes? Ah, bah oui, je pense qu'il y a encore du racisme. T'es en train de dire que ça a jamais existé là? Hein? T'es en train de dire que ça a jamais existé le racisme, c'est dingue de dire ça. Je viens de dire que ça continue encore aujourd'hui, fils de pute. Ah oui, c'est vrai. Allez, trop bête. Ouais! Il joue comme un robot, c'est dingue. Carrément, on dirait que c'est des vrais androïdes. Oui, Rose. Tu rentres dans la boutique Bellini. J'aime pas la boutique perso, mais bon. Attendez que je vous aide. Ah, t'as eu. Ah, la 110 mètres. Il va courir un peu. Ah, bon, c'est stylé en vrai. Ouais. Ah, il est joli, hein. Le jeu. Ouais, j'aime bien. Ah, ouais, ok, mec. Ouais, lui, eux, ils courent, hein. Attends, on peut leur parler ou pas? Vas-y, reviens. Non, pas lui. Les deux mecs qui viennent de courir. Mais. Non. Si, on peut leur parler. Vas-y. Je peux pas leur parler. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre votre objectif. Ah, c'est un androïde de soutien. Ouais, j'ai respect. Hey. Respecte un peu, frère. Allez, vas-y, c'est un bouffon. Va voir la dame, dis-lui. Ça va, madame? Je peux pas parler aux gens, Théo. Attends, on va voir, je peux parler au SDF. Les androïdes ruinent notre pays, bon, on va peut-être pas lui parler. Vas-y, parle-lui. C'est moi l'androïde. C'est nous. Je peux pas lui parler, regarde. Juste regarder. Attends, elle est où la boutique? Il est à 110 mètres, mais là, tu vois. Ah non, faut le passage piéton. Mais traverse, gros, putain. En France, on traverse quand on veut. Attends que le feu soit vert, mais c'est quoi ce jeu de merde là?
Faut attendre que le feu soit vert, c'est dingue. C'est de me faire attendre que le feu soit vert. Allez, bouffe. Purée. Bah allez, traverse. Non mais Québec. Il attend quoi? Mais là il attend quoi? Eh lui, je bouscule, je m'en fous. Ça sentait un mètre. Oh, y'a pas des fruits, va prendre des fruits. Oh, attends, regarde, je suis en train de glitcher pour trouver le chemin. Comment ça? Oh, regarde, j'appuie sur pas vite comme ça, je sais, c'est par où. Mais c'est but, c'est but. Ah, mais c'est horrible à regarder du coup. Ça rend le but, hein. Il veut pas aller plus vite? Vas-y. Y'a pas des trucs à faire, genre des mecs à qui parler ou des trucs comme ça? Je pense que ça sera après. Après, c'est pas non plus, c'est pas cyberpunk, hein. Smith and White, et pas Smith and Black, hein. On vous connaît. Étrange, hein. En plus, c'est vas-y, montre. Montre, c'est quoi l'intérieur? Oh, c'est des androïdes. Ouais, c'est abusé. C'est trop bizarre. Eh, hey, vous c'est le chat, vous êtes pour ou contre les androïdes? Moi, je suis contre. T'es sérieux là? Je suis raciste. Pas d'androïdes ici. Putain, joli carrément les chaussettes. Vas-y. Pip pip poup, pip pip poup. Oh, je suis le scanner à Android. Voici votre commande numéro 847. Ah bon, ça okay. Fera $63.99. C'est cher! Oh la 4 qu'il a. Bon, payer, oh, c'est la couverture du jeu! C'est la pochette du jeu! Paiement confirmé. Transaction effectuée. Attends, si on te mettait une puce dans la tête pour payer avec ta tête, tu le ferais ou pas? Bah, je vais t'en payer, c'est nul, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Non, si c'est genre une puce, après tu peux aller sur internet, tu peux voir en x2 et tout. C'est stylé. Tu veux juste une puce pour voir les trucs en x2? Non, pas en deux fois plus rapide, mais en zoomé. Ah. Non, ouais, tu veux des yeux modifiés en fait. Tout, tu sais, la touche contrôle pour changer l'angle de la caméra. Ah, c'est bien ça. Récupérer à bout. Prendre le bus pour rentrer. Ah bah pas mal la mission, hein. Aller faire ses heures de taf. Poser ses 3 jours de congé payé pour le mariage, c'est bon, hein. Faire ses lacets. Mettre le lait après les céréales, petite tapine. Attends, y'a mec qui part là-bas. Oh, il est magnifique, viens, on y va. Ouais, dehors les humains, dehors. Macron, démission, Macron, démission. Allez, le seul truc que me suis spoil, toi tu t'es rien spoil du jeu toi? Si, j'ai vu des espèces, je savais pas que c'était lui. Ouais, je sais jamais, le seul truc que me suis spoil c'est que je sais que lui il va vers une révolution. Du coup c'est intéressant que du coup, je trouve ça intéressant du coup que ça soit un suceur à la société et qu'il devienne un révolutionnaire du coup. Mais après c'est pas un suceur, c'est juste un androïde. Oui. Moi ce petit fils de pute. Tu vas. Et toi le fils de pute. Tu veux claquer dans ta gueule ou quoi toi? Bouffonne va. Ah le chien. Pas trop quoi de gris. Ah. Mais il a pas mal, c'est un androïde, il n'a rien à foutre. Moi ça me fait mal au cœur, moi Théo, t'entends ou pas? Moi la violence ça me fait mal. Viens sur la fin. Non, je suis pas une salope moi Théo, moi je me relève, je suis pas une salope. Moi je suis une salope moi. Bah reste à terre gros. Mais merde, attends, faut que je continue. Ah! T'as même réussi à foirer un cutie, espèce d'enculé, hein. Ça m'étonnerait! Ah, c'est vraiment un cutie inutile, ok. T'as vu par où aller? On va te défoncer! Ouais, c'est Daron Rémy! Y'a Daron Rémy dans la manif! Putain! C'est trop dérangé. Même en 2038, ils sont racistes, frère. Surtout Rémy. Ils sont fichés. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Il a fait quoi? Attends, s'il nous propose, on l'insulte ou on fait le suceur? De quoi? Si il nous propose d'insulter le mec, on l'insulte ou on fait le suceur? C'est votre boulot. Mais je sais pas, je comprends pas, hein. Son androïde. On verra si ça. Ah putain, pas, allez, ouais, les règles d'Asimov. Allez, circulez. Viens, on tire sur le flic par contre. Il tape sur un ordinateur là. Il a tapé une carte graphique, hein, il est trop con. Cool, ah merde. Mais non, on vole pas les emplois. Arrête. Si. Ah si, t'inquiète. Et on vous baise. Tu vas en dire. Il fait quoi le bus? Hey. Il a fait quoi le bus? Il a un slide. Peut-être c'est, attends, un bus, mais... peut-être c'est un bus décalé, c'est fait exprès, non? Non mais il s'est barré le bus là. Ah c'est pas voulu, ok, merde. Mais c'est vrai que c'est pas voulu, non? Je croyais que c'était un bus futuriste, genre. Mais non, attendez, peut-être je me trompe, mais c'est pas normal. On va rentrer, hein. Ah ouais. Oh, l'apartheid. Comment ça? Ah, ah oui, c'est plus d'androïdes. C'est en fait, ce jeu c'est un peu le Black Mirror, c'est Black Mirror en fait, c'est une future en fait, fantasmée, c'est... mais alors c'est un peu le miroir de notre société en fait. Parce que Black Mirror, on pense que c'est faux, mais c'est un peu la réalité en fait. Mais là, on est dans Black Mirror, mais complet quoi. Mais Black Mirror n'a jamais été aussi accurate de ma vie. Mais
mais en fait, on est vraiment dans une société de fou, quoi. On est... De toute façon, regardez, Logan Paul et André Tate d'Horizon, on est dans la matrice et ils ont essayé d'en sortir. Ouais. Mais dans la merde. Attention, si vous êtes la cible de la matrice, je prie beaucoup pour vous. Les gars, si la matrice vous cible, vous allez galérer en sortir. Regardez Théo. Juste quand vous êtes des gorilles qui font du proxénétisme. Voilà, et quand t'as un animal et tu l'abandonnes et que tu le nourris pas. Attention. Toutes les branches qu'il y avait. Tout ça ? Vas-y. On a déjà raté tout ça ! C'est vraiment un jeu à choix. Oui. On enchaîne. 5 novembre. C'est moi qui fais la musique. Décale ta cam sur le bord, ça me stresse. Bon, attends. Je décale une dernière fois. Attends, en fait, on est vraiment au one kill, mais avec l'humour en plus. Je suis en train de tilter là. On est one kill, mais avec l'humour. Et plus quoi plus d'exotisme aussi, parce qu'on n'est pas que deux blancs aussi, genre. Deux blancs suprémacistes racistes. anti. Ils sont pour les white power. Hein. Suprémacistes blancs qui votent en extrême droite. On dit même pas. Black power in. Wouh. Inverse ta cam, ça fait chelou. Inverse ratio alors, mon gars. Pop. Bon, je peux inverser la cam, mais tout c'est que. Ouh. Attends, j'inverse la cam ou pas, regarde Théo. Vas-y. C'est carré, si j'inverse la cam, je serais trop moche. Après, de toute façon. Ou alors, mets la droite au pire. Et comme ils disent, je suis pas là pour être mannequin. Moi, tout ce que je veux, c'est. C'est manger des cartes graphiques. Je suis un nerd. Oh. Je suis un nerd, je suis un geek. C'est cartes graphiques, moi, tout ce que je veux. Stream. Allez, c'est bon, allez. Je suis un nerd. Oh, ouais, c'est plus cinématographique comme manque ça. Bon, c'est chiant pour m'avancer en fait. Les claviers là, ta. Ouais, j'aime trop la ref. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de. Ma porte, elle est où? Je suis mort, il a pas eu sa fille. Je suis mort de rire, il a pas eu sa fille. Alice! Oh, Alice! Alice! Ah, elle est au pays des merveilles ou quoi? Qui me la tape? Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain. On peut ranger sa main là. On peut ranger sa main sur cette action. Pigé ? Non. Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Il est trop moche, hein. Hey ! J'allais la faire, Théo. Je sais pas s'il faut être fier. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Analyse. Ouais, non, mais dis pas que. Non, mais pas qu'on va avoir une quête. Oh non ! C'est ça, frère, on doit passer la sphère. En fait, on doit juste faire les tâches ménagères là. C'est ça le jeu. Eh, hey, tu trouves pas le mec c'est trop vas-y. Tu trouves pas le mec c'est trop un top G? Il dit à la femme de faire les tâches ménagères, c'est trop un top G ce mec, il a trop raison. T'es en train de dire que c'est un modèle là. Quoi? Non mais c'était ironique. T'es en train de dire c'est un modèle, non. C'était ironique. Oh, Twitch. le misogyne antisémite Grim Cujo qui est en train de parler. Eh eh eh. Scan. Hein? Ah bah super. Ah merde, la vaisselle il fonctionne pas. Oh non, on doit faire à la main. Et du coup, Théo, tu me disais que t'étais sub tier 3 Andrew Tate et tu voulais qu'il soit libéré du coup. Ils faisaient des live Twitch Andrew Tate. Je sais pas. Oh la gueule des live Twitch, hein. La matrice va t'avoir. des grosses fans misogynes sur Fall Guys. Il avait dit au début, ils vont au cancel, après ils t'envoient en prison, après ils te tuent. Après, ils disaient c'est ça la matrice. En mode, c'est pas un proxénète accusé d'agression et tout, genre. Non, mais surtout, il est reconnu de trafic d'humains, quoi. Donc c'est vraiment. Oui, c'est. C'est pas la matrice, frérot, c'est. Attends, y'a pas d'autres tâches ménagères là. Tâches urgentes. Attends, c'était quoi, il avait écrit quoi? Attends, y'a rien d'autre là? Ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Ok, j'ai inspecté le jardin, comme ça c'est fait. Hop. Oh là, l'angoisse serait de la maison. Non, moi je trouve que c'est super. Oh là là, non, c'est affreux. Regarde, du linge, trop bien! Let's go! Attention derrière! Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Perma. Putain, les mecs, c'est Perma. Me dis pas, y'a un mec qui croit qu'on était premier degré quand même. C'est vrai, y'a un mec dans le chat qui disait quelqu'un qui le dit, il vient rendre route et tout. Non, mais non, merci. Moi, juste un mec qui est bon. Eh, va t'asseoir, frère, on bosse là. Allez, dégage, frère. Tâche optionnelle. Alors, refaire la vaisselle, c'est optionnel, on va pas le faire. Ouais, ça va. C'est gentil. Ils se sont dit, on va mettre ça dans le jeu, ça va être un truc de fou. Déjà, ils vont kiffer. Ils vont dire, oh putain, on peut faire la vaisselle, mais c'est un jeu de pour fou. L'immersion, c'est pour l'immersion. Salut Alice. Eh, hey, oh, Théo, c'est pas ta pote, frère. Attends. Oh, c'est ici, hein. C'est attends, ici, on lui dit quoi ici, hein. On lui dit quoi, un jeu. On fait un jeu. Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer? Ouais, on va jouer à Minecraft. Ah. Bon bah super. Pff, putain. École. Tu n'as pas école aujourd'hui?
Ah, elle gagne trop mal, frère. Quoi? Mal poli. Quoi? Eh, vas-y, attrape-la, va l'attraper. On a été acheté Minecraft, droit à rien. C'est une folle celle-là, va l'attraper, frère. Refaire la liste. Oh, le lave-vaisselle, il est là. Non, mais non, mais non, mais c'est le lave-vaisselle aussi. Juste, il est cassé. Oh, c'est un four plutôt, non? Quoi? Un four? Il dit lave-vaisselle, espèce d'enculé. C'est pas un four, fils de pute. Ça ressemble à un four. Attends, j'ai ramassé le linge, non? Je suis pas fou. Ouais. Oh, les grosses boîtes à pizza, frère. Ramasser la vaisselle, allumer aspirateur, refaire la lessive. Bon, faut que je trouve la lessive. Ah, voilà. Putain, je suis, on est chaud, hein. Fais le mode aigle. Non, c'est bon. Le mode aigle. Comme dans, ah, clic droit. Assassin's Creed, ouais. Gros prouveur, va. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ouais, ramasse. Vas-y, prends le blue washing, là. Le vas-y, blue wash. Wash un peu, là. Hop. Oh, c'est quoi ça? Wesh. C'est de la cocaïne. La grinta. Cogno aceton lithium tirium toruen chronique. C'est la cause de baiser ça. J'ai connu un. Wesh! Fils de pute! Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. J'ai un androïde, je peux le tuer. De m'énerver. Je suis désolé, Tom. Je suis pas con quoi. Dans mes affaires. Sauf si tu veux mettre en run. Laisse-moi le tuer, Il est con quoi. Il met ça dans la lessive. Vraiment, t'es con ou quoi? Ah, le chien va. Eh, hey, t'es trop moche. Eh, ouais. Hey, va t'asseoir, fils de pute. Ouais, ouais, il nous entend pas. Dégage, toi là. Là tu ne parles pas, dégage. Eh, hey, qu'est-ce que tu regardes? Bouffonne, va. Comment on fait la lessive? Eh, hey, moi je suis côté du daron, moi. C'est quoi? Je suis team daron, moi. Eh, hey, free my man, top G. Attends. Ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur. Mais pourquoi je pouvais pas plus ramasser la vaisselle? D'ailleurs, j'étais devant. Ah putain, faut que je ramasse là. Oh, il mange des pasta box. Putain, mais c'est Madrose en fait. Eh, vas-y, passe dans la télé, passe dans la télé. Reste dans la télé, reste dans la télé. Vas-y, eh, bouffon. Mais dégage de là, putain. Désolé, Todd, ça ne sert pas. Quel fils de pute. Vas-y, viens, refais, viens, refais, viens, refais. Allez, je vais refaire, faire. Interdit, oh, Todd, regarde la télé. Oh, oh, c'est une dinguerie. Oh, carrément, il a mis un. C'est ça la vaisselle que je dois ramasser du coup. Allez. Mais dégage de là, putain. Mais j'ai tout par terre. Oh, nickel. Vas-y, va faire la vaisselle, va faire la vaisselle. Mais parle mieux toi, ça bouffon, va. Hey, ok, hey. C'est moi qui joue, mais ok, c'est toi qui... En fait, hey, on fait la vaisselle tous les deux, Théo. Vas-y, vas-y. Là, je frotte, là. Ok. Vas-y, 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 let's go, une assiette, Attends, vas-y, Oh là là, ça mousse, Oh putain de merde, Oh, c'est rincé, c'est bon. Et d'une, allez, et d'une, on est chaud là. Une deuxième, On enchaîne, ouais, ouais. Oh putain, on est, t'es ouf. La deuxième, comment ça dit? Bah, ouais, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. C'est du sport, hein. Et pourquoi? Elle fait trop peur. Neutre. Dégage. Ça, ça va être ma pote, elle. Rien de sourire. Eh, hey, frappe ma gueule! Vas-y, Grim! Ouais! Let's go! Oh, c'est une singerie! Oui, Todd! File-moi une bière fraîche! Tout de suite! Putain! Oh, eh, on va de la casser sur la gueule, ça, le chien, va! Allez, prends une bière, quoi! C'est quoi, bois-là devant lui? Ouais, je vais faire glou-glou-glou! Après, j'ai cassé sur la tête, après, j'ai pissé dedans! Il va rien faire! Est-ce qu'ils peuvent se bourrer la gueule? Hop! Eh, hey, dans le chat, si vous buvez, arrêtez. Allez, dis rien. Hop. Apporter une bière. Je l'ai fait, ouais, j'ai apporté une bière à 6 dep. Attends, y'a le match. Ouais. Ok, ok, ok. Ah, c'est un vrai match en plus. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bah, le match, c'est con quoi. Fous le camp, reste pas là. Je t'ai dit fous le camp, bordel. Je me remets au travail. On peut même plus se divertir maintenant. Viens, viens, on se remet devant, Vas-y, repasse. Putain. Fais chier, je veux dire que la liberté du jeu a ses limites, j'ai envie de te dire. Attends, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va très très vite les failles du jeu. Allumer l'aspirateur. Allumer l'aspirateur, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, l'aspirateur? Ça, c'est sa poubelle qui pue. Vas-y, refais. Oh, j'espère qu'il est pas haut, j'ai la flemme là de monter. Oh bah, puis on peut pas. Arrête de bailler, tu me fais bailler. Il fait la vision d'aigle là. Mais je peux voir l'aspirateur avec ça. À l'intérieur, hein? Ça doit être là. Vas-y, refais ici.
Attache urgente, prendre la poubelle, putain. Ah, depuis tout à l'heure, on fait pas ça. J'avais pas vu. C'est ça les poubelles. Ah, des... ah, c'est ça la poubelle, c'est bon, celle-là. Voilà. Ah, faut ramasser des. Waouh, wow, il y a tout ça. Ouais, il y en a des tâches. Ça y est, frère. C'est bon? Vas-y. Ça, c'est fait, on a le comptoir. La cuisine et la table basse aussi! Putain. Eh, hey, mais c'est vraiment un gros sac à patates, lui, arrête de manger ma gueule! Ou alors lave au moins! Mais après, non, il a acheté un droïde, c'est le but, connard. Ouais, c'est vrai. Le gros con, il achète un droïde, mais il fait rien. Attends, en vrai, est-ce que toi tu pourrais, genre, avoir un robot majordome? Bon, en vrai, ouais. Non, mais je trouvais ça trop malsain. En fait, j'ai vu trop de films. En fait, en plus, moi, tu sais que. Tu vas dire que je suis un mytho, mais tu sais que j'ai lu des bails sur Asimov et tout. Genre, je connais les lois d'Asimov et tout. Il y a trop de bails avec les robots, ça me fait trop peur. J'aurais trop peur un jour, il pète son crâne, il fait hey, je te baise, et il me tue. Je te baise. Genre, déjà, tu sais, en mode. Tu sais, imagine tout le temps où. Tu sais, en soi, il fait son taf de robot, de ranger et tout. Mais imagine, tout ce temps où j'exploite, il est en mode hey, moi, je suis rappelé, hey, je te baise. Et il sort un globe, tu frère. Après, tu restes. Comment dire? Tu restes éthique. Non, mais tu restes éthique et respectueux avec lui. Mais même, genre, moi je me dis, imagine, il nettoie et tout pour moi. Et un jour, il y a une révolution des robots. Qu'est-ce qui lui ferait dire hey, j'en ai marre de nettoyer pour toi et je te baise, il me tue. Ah, non, peut-être qu'il y aura pas de révolution des robots aussi, hein. Et, c'est sûr. C'est comme les dinosaures, tu sais, les dinosaures, c'est un truc. On veut que ça arrive. Non, mais. Dommage, Yagrim te tranche la gorge. Bibi boop, bibi. Bibi boop, super le live, dommage, Yagrim. Attends. Il va faire quoi Todd là? Se présenter à Todd? Se présenter à Todd. On fait l'aspirateur avant ou pas? Qu'est-ce qu'il a? Il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez l'alcool ce que ça fait? Eh, fume pas ça gros ça. Ouais, c'est pas l'alcool ça. J'ai bien avancé ici, je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire mais arrête de me gonfler. Eh hey, Todd, écoute-moi bien, dis ta mère la frite. Eh Todd, écoute-moi bien. Ton gros crâne, on dirait un pédilu, fils de pute, c'est bon pas? Mais pourquoi il prend ça si c'est. Il prend un nom de russe pour dire ça, il est con ou quoi frère? Je sais pas frère. J'ai très bien commencé, il est con. Tac. Plus loin encore là, marche. Attends, je vais ramasser les jouets? Non, laisse tomber. Voir la chambre de la petite là. Oh, c'est pas faire la petite. Faire le lit, il a une guitare, mais c'est. Néon, néon, néon. Oh yeah. Attends, mais c'est McFly en fait. C'est vraiment ça, malheureusement. Ouais, grosse guitare, coupe de cheveux de métalleux. Quarterback, hein. Slam Dunk, il écrit, revient. Oui, il écrit Slam Dunk. Mais je pense que c'est pas le manga, bouffon. Bah, Slam Dunk. Entretien avec la star du basket, Bori Gary Gabones. Waïe, aïe, aïe. Un quarterback android. Jusqu'ici, le football va te faire enculer. Ah merde, tu voulais lire? Non, vas-y, on enchaîne. Jusqu'ici, le football américain résistait à la propagation des joueurs android. C'est bon, on a fini le bouquin. Je suis tranquille. Hop. Quand un véhicule sans conducteur prévoit un accident, son ordinateur doit prendre des décisions cruciales, comme choisir de heurter telle ou telle pièce. Nique ta mère. On verra deux trucs. Attends, qu'est-ce qu'il faut ranger là? Faire le lit, ranger la pièce, aérer la pièce. Oh, comment on se doit schmouter sa mère. Bibi boop. J'aime pas la chaîne. Ouais. Attends. Bibi boop, signaler la chaîne popcorn. Bibi boop. Bibi boop, Domingo, supprimé de Twitch. Bibi boop. Bibou, mettez Zen en page d'accueil Twitch France, bibou. Oh, bibou, mission accomplie. Bibou, né de Maxime Biaggi, rallongé. Merde. Faire le lit, hop. Eh, hey, plus de panache. Oh. Eh bah super. Pourquoi elle passe comme ça, celle-là? Tu rentres quand il y a la gamine qui passe, t'as pas honte? Bon, rien à foutre. Oh, elle a trop bien fait par contre. Ouais, j'avoue. C'est quoi ça? Antidépresseur, contient de la tianeptine. Oh mais non, en fait il est dépressif. Ah wesh. Oh lui il est broliqué hein. Ah ouais, lui il a la grinta hein. Il a le fer hein. On avait bloqué un truc ça veut dire. OMG, on va prendre un flingue. Lui si tu l'énerves il va pas hésiter à dégainer hein. Et il dégaine hein. Eh frère, dans la cahier le problème il sort le fer direct. parle pas avec lui frère. Eh frère, tu le croises dans la cahier. Eh fais pas le fou avec lui hein. Quoi? Tu sais que j'ai encore le flingue de Maxime en plus. Comment ça? C'est le deuxième. Ouais. Non mais guettez-moi ce proverbe, vous entendez ce qu'il a dit ou pas? Il a dit, ouais. J'ai encore le flingue de Maxime. Eh, toujours le Glock sur moi. Eh, toi t'as trop la grippe là. Du coup, ça fait une semaine, je sors tous les jours avec sans m'en rendre compte parce que j'oublie. Et toi, tu crois trop, t'es. Oh, arrête, t'as trop la grinta, frère. Oh, Twitch, c'est un pistolet jouet, c'est un jouet. C'est pas un jouet, c'est une vraie arme. Juste dans le chat, c'est CBV et Twitch Prime, sinon faut pas voir la grinta ici. C'est une vraie arme, Twitch. Je vais te dire. Non, attends.
Mais pourquoi ça marche pas? Si le mage, il clique et vers le. Ah non, c'est les deux clics en même temps. Mais oui. Elle la ferme. Est-ce que de la boca? Eh, dites bien. Detroit Crimson Shark. Attends, comment je range la pièce? Pourquoi c'est Detroit Become Human en plus? Parce que Detroit devient humain. Mais c'est qui Detroit? Ça ou c'est la ville de Detroit? Bah oui, on est à Detroit, frère. Ah, c'est pour ça. Ouais, ils auraient pu appeler. C'est trop dur de mettre la. Et dites-vous, un CEP, c'est une année de vie en moins pour Théorus. Bouge-toi de terre. Eh, ta mère l'a chaîne, toi. Ta grosse tête. Eh, vas-y, broliquez ou pas, on va te monter en l'air. Ça va, frère. Eh, frère, on a des contacts avec tous les androïdes du 9-2, frère. Eh, c'est ouf. Eh, frère, ces androïdes jusqu'à Bondi, frère. Il va voir, lui. Eh, touche un pôle de ma clique, frérot, tu vas voir. Tu vas voir qui sort si on est tout seul ou pas. Touche à un processeur de ma clique, frérot, tu vas voir. Vas-y, rentre. Eh, range, va dans le lit, toi. Elle a trop la green tail aussi. Ça ne sera pas très long. Vas-y, viens que ça cabane. Viens que ça cabane. C'est bon, fais-le. Oh, lui de merde qu'elle a par contre. Hop. Eh, qu'est-ce que tu regardes, Ro? Eh, on a le broliqué, nous. Hop là. Hop, le lit est bien fait, tranquillos. Attention. Aérer la pièce, aérer la pièce. Ça, ça chie. Elle a fait que péter, frère. Toute la nuit, elle a fait que péter. C'est vraiment juste regarder. Y'a pas. C'est juste regarder. Des livres de merde. GG. Eh, t'es gratte pas. Ouah, la caméra m'a donné mal au crâne. Fume le daron, oui boy, comme mon perso il a un Glock. Non mais. Non, il croit trop. C'est un jeu à choix, c'est pas un open world, les gars. OMG. Ok, ça veut dire Théo, à un moment on va se castagne et on fera faire par là. Eh, tu sais, ça veut dire quoi ça, Théo? Ça s'appelle un fusil de Tchekhov. Non, là vraiment c'est genre juste. Là, va te faire fort ta gueule. Si, c'est un fusil de Tchekhov, bouffon. En gros, quand un truc est introduit, c'est pas par hasard parce qu'il va être resservé plus tard. Prendre, et ça, je prends ça à moi. Tu sais que le savoir c'est comme la confiture. Et tu parles pas avec moi, gros, le savoir est une arme. Si tu l'étales trop, après t'en as plus assez. Ta gueule. Non, c'est quand t'en as la merde, c'est pas ça, c'est quand t'en as le moins que tu l'étales le plus. Non, il va dans la salle de bain, il y a un truc à faire dans la salle de bain, trou du cul. Mais fusil Tchekhov, c'est super connu, les gars. Ouais, c'est connu. Ça m'a dit, là il nous fait le Mont Corbeau. Et après, le Mont Corbeau, c'est une épinadiplose. Ah oui. Un triptyque mythologique gréco-romain que le film nous a présenté aujourd'hui dans le dernier chapitre. Pas pour parler de Carotte, hein. Parce que Carotte, elle a une main plus grosse que l'autre. C'est parce que Oda, il a éternué sur une plante. Oda, il suspicé dessus, c'est que ça crée un triptyque gréco-romain. L'interview, c'est le vomi dessus, là, bah. Oh, l'épanadiplose de fou. Oda nous a présenté un péplum mérovingien. Bon bah, il a juste glissé, il est tombé, il s'est fait mal. Attends. Regardez la salle de bain. Salle de bain nettoyée, toilette nettoyée. Maxi n'a pas voulu trade. Eh, hey, il a trop la grinta lui de toute façon. Mais bref, vas-y. Il sait très bien lui. À la tête, hein. Il sait très bien lui de toute façon. On a le bouton de broliquer. Il y a un truc par terre, il y a un truc par terre. Où ça? Là, regarde, voilà. Là. Voilà. Allez, tiens les gars, Maxime c'est très bien, je lui ai dit c'est 3 raids par semaine, sinon on sort le broliquet, il va Alice voir. Alice au pays des merveilles. Oh, Alice, comme t'as dit tout à l'heure. Wikiminum, après l'innov. Forcément. Ah mais en plus il raid, bande de mythos. Ouais Maxime. Ouais. Hop. Salut l'équipe. Tac. Qu'est-ce qu'elle fait? Raid by SFR, donne ça ouais. Ah, j'ai bien aimé hein. Tac. Salut les Maxime, Biag Addict. Comme je disais du coup Maxime, t'es un bon mais t'as trop la grinta frère, reste calme. Ranger la chambre de Todd, mais on l'a pas fini la chambre de Todd par contre. Qu'est-ce qu'il reste? Vas-y, attends, vas-y, fais la vision d'aigle. Fais la vision d'aigle. Arrête de dire vision d'aigle, je t'en colle une. Bah, je crois qu'il faut le lire ça en fait. Eh, mais lire, c'est pas rangé. Voilà. Mais viens, peut-être tu vas au bout juste. Le bouquin il a trop la grinta aussi. Faut dire que c'est à dire quoi grinta? C'est pas dire t'as trop la boca genre? Mais t'es con quoi? C'est à dire quoi grinta? Attends, t'es sérieux là? Mais quoi? Mais t'es idiot en fait. Mais développe! Mais ça, la vitesse, le grinta. C'était actif. Putain, c'est-à-dire quand je dis t'as trop à grinta depuis tout à l'heure, je dis t'es trop chaud depuis tout à l'heure là? Ben oui. Putain, je croyais que je t'insultais moi. Oh la caméra. La grinta le mojo. Après, hey, Maxime, t'es corse, fais pas le bordel. Ouais. Fais pas le bordel, nous on va t'attraper. Après, on va faire goûter tes petits machicoulis à la Corse, ça tu vas vraiment. C'est les machicoulis, frère, c'est machicoulis. Ah oui, merde. Non, les machicoulis, frère. Machicoulis. En plus, elle et Maxime Biagi, déjà ratio, parlez pas avec nous. Wesh. Allez hop, ça s'est envoyé. Wesh. Wesh, elle y vole son bouquin.
Bah c'est Machu qui l'a, vas-y, allez ta gueule Maxime. C'est Machu qui l'a en plus. Eh Grim, eh dommage à Maxime hein. Ah eh super le like, dommage à Maxime dans le chat, ça c'est très très bien dit ça. Allez hop, nouvelle méta. Nouvelle méta. Attends, c'est sa salle de bain qui schmoute ça. Eh qu'est-ce que tu veux toi? Mais pourquoi tu enjambes? Non non non, désolé mais... Attends mais c'est vrai, pourquoi je fais ça? Regarde. Non je suis désolé. Vas-y, prends l'élan. Vas-y, run. Ah yes. Oh, putain. Ah j'ai oublié. Amical. Factuel. Je suis sûr qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le imagine, elle me dit, elle parle pas avec moi. Elle a aucune émotion. Attends. Non, par contre, c'est bon hein, quand même le jeu. Attends. Ton ouais, papa j'aime bien. Dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara. C'est joli. Comme Kara, tu choisis. Comme la marque. Ouais. Passe-temps. C'est quoi son passe-temps? Passe-temps. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Mais pas un peu, frère. C'est bon, la confiance elle monte. Eh, hey, Théo, les Team Cook, laisse-moi cook, frère. Silencieuse. Ouais. Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. C'est quoi cet enfant débile? Mais frère, elle est conne ou quoi? Attends. Ah, c'est une bavonne. Oh, trop gentil, elle a donné quoi? Ouais, on a cook, c'est bon, c'est ma pote maintenant. Imagine, c'est une crotte de nez. Ouais. Ouais, on est dans Zelda ou quoi là? Tu vois, c'est la boîte qu'on a eu tout à l'heure. Ferme ta gueule. Tac. Allez, va chercher le cristal là. Hop. Tanana, 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 tanana. Tanana. Putain, j'ai fait trop tôt. Ouvrir. Ouvre ma gueule. Ouais, trèfle à 4 feuilles. Ouais, ça porte bonheur ça. Y'a quoi, une photo? Ouais, je m'en fous, mais mange-le là, mange-le. Attends, la musique, attends, viens, moi je mets de la musique là. Elle est bien faite quand même, le prêtre. Hein. Allez, c'est bon. T'as dansé un peu, non? Ouais. Je m'imprégnais, frère. Moi, ça, c'est le daron, ça? Ah, le daron, ça se voit, il a la grinta, le daron. Mais non, mais arrête de dire ça. Oh, le daron, il a pris hyper pète, hein. C'est quoi ça? C'est GDG, qu'est-ce que vous racontez? Pour elle, ça a une de la tête. Okay. Oh non! Ah ok! Le daron avance. Mais si tu vois, avant le daron il avait la grinta. Je pense qu'il a cané. Et le nouveau daron il a pas la grinta, il pue pipi, frère. Je crois qu'avant le daron c'était un italien de New York. Et là il commençait à donner des claques à l'android. Oh wesh, le bras carrément. Hein? Ah putain, il a cassé le robot, fils de pute! Mais oui! Putain, t'as vu la pastille là, c'est les émotions. Je crois que c'est la rouge en mode la colère. Ah ouais? Bah, j'ai l'impression, genre là, tu vois, elle a vu qu'elle s'est fait goumer, elle passait rouge. Là, je pense plus de la peur que les gars, sans spoil, est-ce que la pastille, ça, les couleurs, c'est les émotions? Si c'est ça, je suis vraiment trop fort. Et tout fait, je crois. Oh, ça m'a fait peur. Je vais voir le mec direct. Non, bah, elle va vous faire foutre. Ah non, oui, c'est oui, bon. Après, bien, non, parce que le premier mec qui a dit, il a dit non. Vas-y, descends. Eh frère, laisse-moi gérer, ok? Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Oh, putain, mais j'ai des cheveux! Eh, ça fait trop bizarre, je suis plus habitué, gros! Je sais ce que tu penses. T'as parlé comme un idiot. Gros, je voulais gratter ma tête, je sentais ton père, bon, rien. Chevelu. Hein? Mais elle a rien dit. Un hein. Pauvre loser. Attends, mais elle a rien qui dit. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Elle a rien dit. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais elle a rien dit. Mais quoi que je fasse, y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Hey, calme-toi mon gars! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Ouais? Tu me détestes, ouais! Dis-le! Tu me détestes! Wesh, mais c'est un porc ou quoi? Wesh, il a grogné là! T'es débile ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, va prendre le brolique! Je suis désolé. Je suis désolé. Va prendre le fer. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Ah, c'est bien, je pense qu'il est stable mentalement. Oh ouais, ça a l'air d'être un bon père, hein, c'est cool. Ah, je pense que c'est bien. Hein. Dites-vous, la Théo, il est en mode putain, il a trop raison, le père, ça c'est un top. Oh, on a tout fait. Non, on a pas tout fait par contre. Non, mais si, regarde. Non, regarde avant. Il manque des trucs au premier étage. Mais la tête de même, j'ai tout fait. Non mais pas premier étage, le bas, regarde. Mais ça on s'en fout ça. Non. Premier étage, on a tout fait gros, on est des monstres.
Quand on a vu une arme, on a un moyen de descendre. Ça, c'est bien. Mais je te jure, on est... En fait, on est les one-kill, mais... Mais mieux. Comment on dit ? On est Men in Black one-kill studio. Je suis Will Smith et l'autre, j'ai oublié son blaze. Bah oui, bah j'imagine. J'imagine que c'est pas Will Smith, hein, connard. Et pourquoi pas, on casse les codes. One-kill du pauvre. Eh, bannez-le, lui. Allez, hop. Voilà, déjà. C'est quoi le nom de votre duo ? Café au lait. Simon et Pimprenel. C'est toi, oh, c'est nul. Simon et Pimprenel, mais va te faire enculer. Blake et Mortimer, il allait dire. Hein, c'est... Blake et Mortimer, mais va te faire foutre. Les Scrameustaches. Oh, qui se rappelle les Scrameustaches, sérieux? Rikiki et Rakaka. Chocolat et Vanilla, c'était pas un dessin animé, ça? C'est tellement raciste, en plus. Ah bah oui. Need backup. Ah là là, non, hein. Gus et Porto, voilà. On vole des pseudos. Black and White, Fred. Bon. Oh, y'a un mec qui a mis Omar et Fred. Oh, le classique. Service après-vente des émissions. Attends, viens, on le fait. En plus, t'es au-dessus, t'es en bas. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. Eh ben dis donc, tu viens pour une soirée. mais qui est-ce? Oh là là. C'est trop nul. Mais qui est-ce? Mais dis donc. Allez, ferme ta gueule. Putain, je suis abattu. Comme le jeu il met trop de temps, il y a de la latence sur le chat. Simer Fianso. Attends. Hey, hey. Le lundi. Éveillé Carl à l'étage. Ça va, ça prend un bonjour. Allô? Oui, allô. Merci Fred, tu te rappelles pas? Trop cool. Cependant, Green te déteste et te chie à la gueule. J'ai rien compris. Vas-y, c'est moi qui fais au début. Merci, petit bout. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. Oui, allô. Qui est l'appareil? Je suis Omar Simpson. Merci, mon gars, pour le sub. Trop cool. Tôt. Cependant, Green te déteste et te chie à la gueule. Merci, Zibos. T'as capté ou pas? C'est vraiment de la merde. Hein. Omar Simpson, Omar Simpson. Oui, j'ai compris. Hein. J'ai vraiment compris. Hein. Bonjour, hey, Carl. Salut, Carl. Oui. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Shoot à avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues. Eh, hey, ça y est, ça y est, tout beau, tout beau, Une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture. Son médicament, on aurait donné une tarte dans la gueule. Ouais. Ah, oui. Oh, je suis médecin. T'as la dinguerie. C'est toute la différence entre toi et moi. Android, moi, ouais, Marcus. Ouais. Je peux pas cliquer, Kirgaz, je vois pas. Jamais rien. Merci, les gars, pour le sub. Trop cool. Simer Salam. Mais... Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Moi, je te donne pas, perso. Hein. Carl. Merci. Il a appelé Carhartt, hein. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà. Je bien aimé Grimm. Merci. Wouh. Bravo, Grimm. Wouh. Elle a fait un gros. Les humains ont une mécanique si fragile. Et tombent en panne si facilement. Ça, tu peux pas cliquer sur... Mais frère, on joue, wesh. Pour les autres. J'ai pas le table. Hé! Hey. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans... Ah oui, mais je fais goumer, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est... Quelle bande d'abrutis. Ouais, dis bien, dis bien. Comment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques endroits? Ouais, 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 ils le pensent, on est d'accord. Ils ne t'ont pas fait de mal. C'est vraiment tirant 2038, Grimm. Juste basculer, car... Ça comme ça. C'est Terra qui m'a kidnappé, il m'aura transformé en android, hein, pour que je le serve. Je vais reconduire à la salle de bain. Grim B58. Grim P600, va me chercher mon wonky siège. va me chercher mon livre de raciste. Mec, vraiment à court. Ah, mais comment il le porte, c'est trop drôle. Va me chercher mon encyclopédie du racisme. on peut pas voir quand il se douche. Il est pour les petits ou... Je peux voir où quel est l'android. Que les androïdes. Ah non, mais c'est déjà habillé, putain. Ta gueule, Théo, apparemment c'est point de chaîne. Ah vas-y, wesh. Mon cheese nano miel gris. Mon cheese nano sucré au sucre. Putain, mais... Oh, attends, mais j'avoue, mais t'imagines le classique, Terra 60 ans. le vieux croulant que ça sera. Mais attends, mais... Ça va être trop drôle, ça va être trop drôle. C'est une dinguerie, parce que là, on a juste à doubler son âge, il a 60 ans. Non, en vrai, c'est une dinguerie, ça. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui. En mode de doubler, c'est sérieux. Le vernissage de votre rétrospective au musée d'art de l'art. Moi, on me double. Le directeur de la galerie a laissé 42 ans. Pour que vous confirmiez votre... Tiens, j'aurais des gosses.
J'ai pas encore décidé. Peut-être stérile, hein. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi, moi, j'entre. Juste des messages d'admirateurs. Descends. Vas-y, fais la course. Descends, fais la course. Eh, j'arrive avant toi. Allez, trop dur. Allez, vite. Non, on a perdu. Attends, tu m'étais un bête. Carl. On n'y a pas pensé. Je peux l'appeler si vous voulez. Oh, bête. Non, c'est pas la peine. Mais on t'emmerde alors, hein. C'est ah, qu'est-ce qu'il veut. C'est un ouf. C'est ça qui nous a éteint là en vrai. Toi, on va t'éteindre la tête, Oh là là. Allez. Toi, on va t'éteindre ta télécommande et on va voir si tu vas encore parler après. Je meurs de faim. Il meurt de faim. Petit déjeuner est prêt. Du bacon. T'as qu'à aller gras et nous embêter. Merci Marcus. De rien. Eh, hey, démerde-toi, bouffon. Il m'appelait Narcus, hein, il croit jouer à. Ah non, c'est vrai, là, c'est... là par contre, c'est vraiment intouchable. Aimez-vous, putain. Aimez-vous les uns les autres, putain de merde. Eh, mais lobe d'oreille alors. Tout ce dont on me rappelle du film. Oh, les œufs Fabergé. Ouais, ça doit être ça. Mm-hmm. Y'a quoi là-dedans? Les points de chaîne. Ta gueule, Théo, ferme ta gueule, Théo, ferme fils de pute, Théo, ta gueule, arrêtez, ferme ta gueule. C'est bon, vas-y, mettez pas à la pause. Là, j'aurais que Théo, c'est bon. Tac. Début du jeu, RP Cuisine. Après, c'est pour poser les bases. Hein. Non mais là depuis tout à l'heure on fait que... Eh, tu vois quand tu demandes pas, moi je suis chaud. Ouais pourquoi pas, vas-y. Wouhou. C'est-à-dire que du coup j'ai pas menti, on se retrouve aujourd'hui et demain à 19h, putain. Ouais, let's play Become Human. Let's play, attends. Merci du coup faut qu'on trouve un autre duo quand même. Télévision. Antiracisme. 50% de racisme. Non bah non. Tac. BLM, je pense que c'est bien BLM hein. Ouais j'avoue. Tu peux voir un android avec le physique d'un mec de la Kakabox qui prendrait équipe. Tu peux pendant que moi mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Carl. S'occuper de Carl, donner son médoc. Oh, il a la télé de fou là, c'est quoi ça? Monte la télé. Ah. Monte la télé, reviens. Wesh. Ouais, je crois qu'elle est normale. Bah non, frère, elle est toute fine. Vas-y, tout autour. Wokil. Oh putain, attends Théo, j'ai un nom classique. Wokisme, ouais. Wokisme Studio. Oh le classique, Wokisme Studio. Oh putain, Wokisme Studio, frère. Wokisme Studio. Tac. Mais il est où son médoc? Vas-y, refais la vision d'aigle. Là-bas. Ouais, quelque chose. Ah, ok. Oh, y'a plein de trucs. Y'a plein de queues de trucs partout, regarde. Ah non, c'est que des livres en fait, on s'en fout. Ah, c'est je pense c'est le time de leur R, ça, je pense. Century. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au time, hein. Détroit Today. Eh, tu vois, on vient à Détroit. Et on va peut-être devenir humain. Ah, ok. Ah, j'ai compris. Attends, par contre, il y en a, vous avez encore des examens. C'est pas possible. On est le 20 janvier, on est 15 janvier, vous avez encore des examens, ça y est. Ah, moi, j'ai jamais eu de partiel au coin. Mais toi, t'es déscolarisé, toi. Arrête de faire genre, Théo. T'es culotté, hein. Mais wesh, mais moi, demain, j'ai à l'école, hein. Va à l'école, frère. J'ai pas à me répéter, mais Théo, arrêtez les cours pour le streaming, on voit le résultat quoi. C'est la stupidité, la vie. Et bah, insulte ma mère aussi. Moi, je vais t'arrêter, j'ai quitté mon taf, là, j'ai vu. Je vais transformer viewer, j'ai quitté mon taf. Tout ça pour t'as eu raison, frère. Là. À ta gueule. Tac. Parle-moi des discos. Mais moi, j'ai rien contre des discos. Juste que Théo, il a arrêté l'école pour le streaming, sauf qu'il fait 15 viewers. Arrête, wesh. Ok, 30. Mais il a pas besoin d'un médicament. Mais si, mais il est où? Mais ils me l'ont enlevé comme mission. Mmh. Sinon, je peux pas jouer piano en mode. Fais du piano. Attends, il y a un truc à droite, non? Oh, d'ailleurs, ça va me jeter une basque. Mais. Une basque. Je peux pas jouer, putain. Ceux qui jouent du piano en gare pour caméra. Genre, c'est mignon, ah bah mais caméra. C'est uniquement de la caméra, il n'y a pas d'autres raisons. Ou alors c'est les pauvres qui ont pas de piano chez eux, du coup ils sont... Ouais c'est ça hein. Ah faut que j'appuie sur A. Moi je croyais que juste appuyer sur A, c'est juste un zoom. Bah je crois que c'est ça non. Le truc c'est que là j'ai rien à faire. C'est pourri leur truc. Ah tu vois. Lire. Mais pourquoi lire? Shakespeare, ok on lit quoi? Moi je propose on lit Platon non. On peut choisir. Oui regarde, y'a Aude de Keats, Shakespeare ou Platon. Non Shakespeare, t'es fou. Comment ça Shakespeare? Shakespeare c'est un tapis, il y a un petit Platon. Shakespeare. Bon, on écoute Théo, la vie à son Coresque.
Que lis-tu ? Oh, Macbeth, c'est un des livres que vous m'avez conseillé. Ah, Macbeth, je connais. Et tu en penses quoi ? Les émotions humaines sont fascinantes. Mais je ne peux pas dire fait. Que je les comprenne vraiment. Eh, hey, mon gars, les humains c'est normal, les émotions, mec. Pas. Elles dominent nos vies et on y c'est qui le doubleur comme des rois. Du vieux, il est connu, ouais. Les gars, il a fait connaître comme voit le vieux. La vie sans émotion n'en vaudrait pas la peine. Ça, c'est bien dit, ça. Il a fait d'autres vieux, mais je suis pas un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Combat de vieux. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Il doit être ça, oui. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Je comprends rien. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Hey, il croit trop si on... Ah, j'ai oublié. il croit trop si on clubé. Ah ouais. Conduire car dans l'atelier. Ah merde, faut que je l'attrape. C'est Bender dans Futurama, mais non. Ah ouais, non. Mais non. Arrêtez, c'est possible, hein. Mais je crois pas, hein. Elle est porte automatisée, je veux pareil chez moi. Imagine un jour tu mets une porte automatisée, elle ferme sur toi, tu meurs. Qui c'est lui, bah putain. Je t'emmerde. Eh, ta gueule. Théo, quand t'es sur mon live, tu respectes Théo. Voyons. C'est dans avec les robots au Futuroscope. Vas-y, enlève le drap. Comment je l'enlève? Non, ça c'est la classe. Ça, y'a pas à dire. Ouah, genre il a. C'est une dinguerie, frère. Il a un bras pour pendre. Ouais. On range l'atelier, hein. Et c'est bon, je maîtrise le jeu comme un poche, guette comment je suis fluide. Ouah, y a... après c'est pas toi qui joue là. Mais si, c'est moi. Non. Il fait flèche du bas, flèche du haut. Non, vraiment pas, hein. Et ta mère alors. Ranger, hop, guette. Bang. Hop. Bang. La peinture au sol, bah se détache les gars en gros. Vous êtes pas des artistes, vous pouvez pas capter ça. Ah, faut tout nettoyer après, oh, toute la peinture, oh là là. Eh, par contre, il a une baraque de baiser le vieux. Bah mais frérot, je pense que quand t'as un androïde majordome, je pense que t'es riche, hein. Bah non, rien. Ah, quoique non, je suis un ouf, l'autre coup d'œil, il est... T'sais, mais c'est vraiment, en fait, c'est leur grec, genre. En mode, ça se prend un kebab, bah eux, ils... T'sais, c'est un kebab pour eux. C'est vraiment, y'a aucun rapport. Mais si, tu vois, genre pour nous, un kebab, tu vois, c'est tranquille, t'en achètes un, hop, bah ils achètent un robot majordome. Mais c'est vraiment ça ta comparaison. Non, tu t'es dit, de tout ce que je pourrais comparer avec un Android, je vais prendre un grec. Mais toi, tu vas le comparer avec quoi, toi? Je sais pas, genre un smartphone. Ah ouais, c'est mieux. Bon, le message en chat, pas nécessaire. Ouais, non, bah, je vais pas le dire. Il comprend rien du tout à la peinture, hein. Alors, il se dit c'est trop moche, hein. Verdict, Marcus. C'est de la merde, hein. On dit quoi? Enthousiasme? Sceptique. D'accord. Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre. Non, non, mais non. Voilà. Pour être franc, je n'ai plus grand chose. Mais c'est un chien, elle était jolie, l'œuvre. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Oh, ta gueule. Un vieil homme qui s'accroche. Il est barbant, il est barbant. Mais c'est Carlos et Calamar, hein. Voyons si toi tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin. Peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Vas-y, fous-toi à poil. Y'a quoi de drôle? Pourquoi il rigolait? C'était le même là. Y'a quoi de drôle? Il s'appelle comment le mec d'ailleurs? Quoi, du même, y'a pas de rôle, je sais plus moi. Oui. Ok. Trouver un sujet à peindre. Typique. Hein? Ah, ok. Vas-y. Ah, on va. Enfin, on va le voler là. Attends, Théo, laisse. Théo, pas un mot, je m'imprègne, je suis en mode artiste là. Moi, ça m'émue un peu. Ça m'émue plutôt. Il a fait c'est la même. Une copie conforme de la réalité. Bah. Mais la peinture ne consiste pas
à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Ouais, si tu le dis, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Ah, parce que ouais, je me dis, comme un robot n'a pas d'émotion, il ne peut pas avoir sensibilité à l'art, du coup, non ? Bah, en vrai, ça dépend, là, c'est des IA. Donc, ouais, ils sont faits pour... Une IA, regarde, tiens, là, par exemple, là, avec GPT et Dali Mini, tu vois, ça calque sur les autres. Tiens, fais-moi plaisir, oui. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok, ferme les yeux, Théo. Fais-moi confiance. Vas-y. Ah, mais attends. Ah oui, il faut jouer. Hop. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Oh, ferme les yeux. Maintenant, concentre-toi. Ok. Sur ce que ça te fait ressentir. Ça me donne faim. J'ai mal au bide. Ça me donne faim, il va te faire enculer. Je pensais à une grosse brochette de japonais. Moi je pense à des pâtes bolo. Genre des yakitori, hop. Oh là, ah merde, faut écrire. Ah bien. Identité, je trouve ça stylé. Vas-y. Tiens, en mode, tu sais, t'es en quête, c'est du critique, transhumanisme. Doute. Pourquoi y a des carrés un peu comme ça là sur les textes trop bizarres. Je pense que c'est fait exprès, tu sais, en mode délire glitch comme ça, un robot. Si merde, un peli. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Oh, il y va. Ferme les yeux, Grim. Oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça. Je pars à droite, Théo. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Ça rentre dans ma tête. J'espère. J'ai mal à la tête. Coup de pinceau à gauche, coup de pinceau à droite. Je tchac, je claque. Descends, remonte. Oh, la tête du vieux. Ah, c'est dessiné lui-même. Oh, le melon. Il a dit oh mon dieu, carrément. Oui. Jesse Pinkman, yo bitch. Yo oui, bitch. C'est Eisenberg là. Ah non, on dirait Pinkman, oui. Léo. C'est CR7. Rien à voir, frère. Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ouais, c'est la voix de Fry. Ça fait longtemps, hein. C'est F-Fry. Martin Mystère. Light Yagami aussi. Tu regardes, c'est des madroses. Je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Oh, le crack addict. Où est passé l'argent? Ça part vite, tu sais. Ouais. Oh, c'est trop une merde, hein. Ouais, t'en as encore. C'est madrose. Non. Il va voir sa daronne, il dit, j'ai plus d'argent pour passer ta box. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Bien dit. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Mérité bouffé. Ouais, je crois ton que bonnet, je sais ton pourquoi. Ton bonnet plein de merde, là. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Tu prends de la drogue, trop du cul. Dis-moi, papa. Il est bête, hein, la du fond, va. Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. Eh, ratio. C'est une putain de machine. Léo, stop là, ça suffit. Là, il te monte dans l'air maintenant, s'il veut. Arrête! Eh, jamais ni une ni deux, il tombe par terre et il va rejoindre son gros daron. Tu t'intéresses frère, vas-y, à toi-même et à tes foutues. Eh, il est broniqué, mon pote. Hein. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. C'est madrose, frère. Tu m'as jamais aimé. Fou. Eh, rentre chez toi, gros. Va faire des montages pour un fake Carlito, là. Avec son gros bonnet, frère. Eh, va te laver un peu. C'est normal, mec. Wesh, il a une écharpe en serpent, il est trop riche. T'as vu, c'est un truc de fou. C'est un serpent aussi, c'est pas une écharpe. Hein. Et on l'a éteint, madrose. Hop là. Bah. Oh, c'est pas Wankil qui aurait fait ça, le mec qui crée un combat. Oh putain, on aurait pu débloquer deux trucs, non? Léo entre et demande de l'argent. T'as ouais, je crois que c'était obligé, on arrive par là. T'as par contre. Ah oui, tu vois, non, c'est selon le choix. Attends, on a pas trop le choix de fond. Ah, en fait, c'est des chemins. En fait, non, en fait, y'a pas de. Ok, j'ai capté. Y'a pas. Attends, j'ai une phrase de fou, faut que je la retrouve. Attends. Vas-y. Il n'y a pas de bons choix, seulement des mauvaises trajectoires. Ok. Oh, c'est bien. Allez. Non, en plus, ça changera en 2038. Non, je voulais dire, tiens, en mode, y'a que des choix différents, tu sais, en mode, y'a que des. Oh, entre Connor, ça, je l'ai oublié carrément. Par contre, lui, c'est mon préféré de loin. Là, je l'aime bien. Il devrait faire, genre, on fait que son aventure à lui et pas les autres. T'es un bâtard.
Parce que c'est intéressant parce que tu vois, c'est... bon, en vrai c'est un sujet tapine les robots, mais je trouve ça intéressant quand on a plusieurs points de vue parce que du coup ça met dans plusieurs situations, dans plusieurs contextes de... T'as le quotidien, Donc t'as plusieurs problématiques, j'aime bien. Par contre il a la classe quand même, Connor. Ouais. Trouve le lieutenant. Voilà des... Hop. C'est qui, c'est lui? Traitement donné extrêmement moche. Et dans DMC. Attends, c'est un, faut que j'ai les visages. Il était des camps. Il est des camps, je sais pas. Attends, le je veux plus. Attends, on va scanner. Imagine. Mais il est raciste. Là, c'est un Ronin. Il fait extrême criminel, très très dangereux. Oh putain, c'est un 2001. Ah ouais? Oh putain. Ouais. Vas-y, lui. 95. Oh, le vieux. 43 ans, il a, ça veut dire. 87. Ok, bravo. Oh, le vieux. Flego? Quoi? Il a aucun rapport avec... Ah si, c'est vrai un peu. Ah, ouais, conduit ton état d'ivresse, t'as pas honte? Putain, je suis sûr, Humbert, c'est Flygo, gros, c'est Flygo, regarde. Eh, Léopold, le scooter. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est qui, lui? Okay. Derek Myers. Lui, il veut pas enlever sa capuche, fils de pute, là? Tu mets une capuche, j'ai ses cheveux. C'est vous, je scan ce bouffon là. Lieutenant Hank Anderson. Ah, mais c'est lui qu'il faut trouver, non? Oui. Trouver Lieutenant Anderson. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Oh. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre. C'est Leilout. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que j'avoue, c'est lui, Anderson. On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Un connard en plastique comme toi. La raciste, va. La raciste. Barre-toi en vitesse. Et ce ratio, il se barre en vitesse ou pas? Attends, je menace? Non, j'insiste. Comprends. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Non, parce que ça, c'est un petit con, lui. Ça sert à rien d'être compréhensif. Je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre? Dans son IQ. Où ça? Ah, ta gueule. Laisse tomber. Non! Oh non! Ok, je fais quoi? Compréhensif. Mais en fait, toi, tu trouves bien ce tueur, faut y aller. Mais oui, frère! Faut leur tirer les oreilles à un moment, et lui, il fait trop le fou! Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Eh hey gros, tu as rien fait. Vas-y, viens, on le refrain. Vas-y, offre. Merde, wesh. T'as foiré, t'as de choc. Je vais vous attendre dehors. Non. Prenez votre temps. Non, tu t'as niqué le truc. Ah voilà, tu vois, je savais, frère. J'ai laissé le temps exprès. Eh, hey, c'est vous les suceurs, hey, laissez-moi tranquille. Eh, hey, vous regardez le live, vous êtes des suceurs. Bon, on va être plus de 15. Restez, pardon. C'est bien le suceur, regardez bien le live. Non. Attends, c'est la maison. Ah non. Non, je croyais aussi que c'était la maison de Alice, mais non. Ah non, Kara, je veux dire. Bon, Kara, ouais. T'attends ici. Kara de Levine, hein. Comme vous voudrez, lieutenant. On fait le suceur, hein, on est un robot malheureusement. Comme je veux. Et dites-le, oui. En contradictoire, sélectionne la priorité. Quoi? Ah, et on m'a dit de rester ici. Mais moi, faut que je sorte, c'est ça? Et on sort, moi je m'en bats les couilles, gros. Joss Douglas, il va avoir trop le seul. Il va dire, tu veux que je te baisse ou quoi? Je confirme. Tu veux que je t'envoie la Tu veux que je t'envoie la décharge, mec? Oh, allez. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Ça a l'air raciste, va. Il est avec moi. Ouais. Allez, petit bouffon, va. Quand je dirige dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends que t'es moche. Entre en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Mais salut, Hank. Pour qui il se prend, celui-là? Comment c'est à croire que t'allais pas te pointer? Hank Anderson, c'était regarde, le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, on danse? Comme ça, on a un androïde, hein? Alors, dis-moi ce qui s'est passé ici. On a l'androïde. Les meilleurs peinteurs sur locataire de payer plus sur le caméra quand tu veux voir la trophée. T'as vu, c'est. Ouais, quand tu prends une autre angle, c'est cinématographique, mais bon, c'est galère pour jouer quoi. Bah ouais, bon. Bon, stylé. Oh, bon sang, mais ça tue. Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Ah, putain, là, tu vois, là, on est pas en mode film un peu là. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a.
Tu la scène de crime, du coup. Un casier pour vol, il y a des preuves pour vol. C'est grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. De la bérésina comme la chez l'autre. Ça, la Red Ice. C'est la bonne grosse, hein. La bonne grosse frappe d'Amsterdam, ça. Mais pourquoi pour t'en fais la promo là, t'en fais la promo là. C'était pas la peine de ouais, les ballons aussi. Il s'est bien passé ton live, promo des ballons ou pas? La nuit, ça aurait pu attendre demain. Non, il est encore parti là, c'est avec la promo mettre les Vinox qui arrive. Ta gueule. Merde, non, il fallait que j'analyse. C'est bon. Attention, d'un peu, c'est quoi ça? GHB. Carlos Ortiz. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction. Pas d'empreinte Android appliquée. Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. Ouais, ta caméra est redevenue jaune. Il s'est par derrière. Mais non, ouais, parce qu'il est comme ça. J'ai même ma lampe et il fait nuit. Ah, ok. Trop de ballon. Pas grand chose. Tu la fermes. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Ben, j'aime trop le jeu, frère. Faut que j'aille prendre l'air. Ouais, y'a pas trop stylé, ça. Oh, c'est pour Théo, ça. Ouais. C'est pas faux. Vas-y, ouvre. Attends, il y a d'autres preuves, je pense, encore. Mais non, mais derrière, t'es juste là. Mais c'est une porte. Ah non, c'est un placard. Ouvre le placard. Je croyais que c'était une porte pour sortir. Ça rend pourquoi une porte ici pour sortir? Mais j'en sais pas, moi. Bon, allez, gros paquet de clopes, la grosse cartouche. Utopia, cher, c'est ça. C'est quoi? Il a dit, Théo, vois un club de cul. Oh, stylé! Cool! C'est chouette! Oh! Wow. Un 10 en plus. 19 jours, il y avait écrit. Attends. Je vais pas relire, c'est dommage. Lire. Gossip Weekly. Je sais que c'est que les androïdes, c'est mieux. Ah, stylé! Allez, sur Restore, si dans le chat, il dit ouh! Il a pété son crâne, hein. Ouais. Il a goûté à la frappe là, Cyrus North. Là, vu qu'il a goûté à la frappe des androïdes, il a pu lâcher, frère. Oui, je pense qu'il m'espionne pas, moi, l'android. Déspionne-t-il? Warren et FM Cyber Life. Allez, ça y est. Nanani, nanana. Oh, ça, c'est des vrais couteaux. C'est des vrais couteaux. Ça, c'est des vrais couteaux. Putain, mais la BO, elle est trop bien. Genre, tu sais, le travail sonore, genre. Il y a une ambiance, hein. Tiens, j'aime trop, genre je sais pas si t'as des fois t'as ça. Alors tu joues à des jeux, tu kiffes trop, frère. C'est bien trop propre, aucun humain n'écrit comme ça. C'est quoi ça? Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime. Oh la batte. Bat, hey, y'a Negan ou quoi qui traîne, frère? Ah, j'aime bien. Attention, ok, il y a des cabos. Impact, violet, nanana, nanana. Y'a quoi, y'a des traces. Oh, Empreinte. Carlos! Attends, donc Carlos, il y a eu son sang sur le couteau, Siri, il s'est défendu face à l'android? Bah, si on va. Attends, on va reconstituer en fait. Ah ouais. Oui. Oh là là, il est en forme, Carlos, hein. Attends. Wouah! Le dévieux après couteau. Ah, du coup, tu vois, ok, c'est bien ça. Ah, du coup, il s'est défendu, attends, vas-y. Ah putain, ok! Oh putain, incroyable! T'as capté ou pas? Vas-y. Oui, j'ai compris, il se défend. En gros, le déviant, le mec, il a essayé de goumer le déviant. Ah, ok, du coup, ça allait faire un bug dans la carte graphique. Ouais, c'est un choc. Là, il a paniqué. Aïe, 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 aïe. Waouh. Il a chassé. On prend des échantillons pour analyse. Non, Carlo s'est suicidé avec la batte de baseball, l'enquêteur nul. T'as où la victime? La Red Ice. Notre ami Carlo s'aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Arrête de lire, celui-là, on l'a déjà lu. Ah, et merde. Eh, pause, frère. Tac. Qu'est-ce qu'il y a par là? Examiner. C'est comme si c'était fait, Lyon. Putain, mais j'avais joué 8 heures au jeu, mais j'allais manger avec mes potes après. Vas-y, dégage. Mais t'inquiète, mais demain, on jouera 8 heures, ok? J'en fais une nocturne. Ouais. Tu veux, t'as peur, on dirait. Live de 30 minutes. T'as quoi? Demain, y'a Zen, hein. C'est ta gueule. Non, les gars, Zen, c'est lundi prochain. Pas demain, dans une semaine. Ah! Putain, il en a mis des coups de couteau. Tout ça? Oh, la sale. Ah, c'est affreux, la gueule qu'il a. Putain, bah, il est... C'est affreux. Il est nécrosé, là. Ouais. Quoi? Nah, my guy froze. Maxime dans 10 ans, y'a rien à voir. Non, y'a rien à voir. Attends, c'est vraiment juste un bon. Ah merde, j'ai déjà regardé. Attends, c'est quoi ça donne naissance? Red Ice.
Putain, il s'était shooté pépère. Non, montre la date de naissance. Y'a pas, frère. Non, y'a pas, je sais jamais. Les bâtards, ils ont fumé Carlos hors système, bien ou pas la rêve. C'est vraiment nul. Vol, couille et blessure aggravée. Oui, bon. C'est pas une grande perte, quoi. Oh, reconstitué. Ah, ça va faire peur. Attends. Attention, vas-y. Ah, il a trébuché. Il est mort tout seul. Ah, mais non, je crois qu'il y avait 25 coups de couteau quand même. Si, il est tombé ici. Ok, il devait être bourré. Oula. Puis poignardé. Ah, oui, ok, il était poignardé, puis il s'est écroulé. Il est à la cuisine. Attends, vas-y, reconstruis la scène du coup. Ah, il a achevé du coup. Oh, il a quand même. Waouh, tout ça. Hey, il était déjà mort, hein. Attends, on se remet un petit coup. Bip. Mec, il aime trop la violence. Allez. Vas-y, remets. Poule. Il a été poignardé 28 fois. Arrête, non, mais ça se voit à la vidéo, il n'y a pas besoin d'un robot pour ça en vrai. Le tueur devait vraiment avoir. Je vais pas être chiant, hein, mais. J'ai un rapport au lieutenant Anderson. Mais j'ai dû en faire un, non? Non, mais c'est pas un rapport, connard. C'était attends, juste de. Bon, viens, je te donne la preuve après on lui fait un rapport. Vas-y. Là-bas. Non, je donne pas, je suis pas content. Non, mais. Vas-y, parce que là, il y a un truc qui brillait là. Attends, non, I am alive. Oh, c'est bien écrit en plus, hein. Ouais. Ouais, attends, c'est Android, c'est sur Android, hein. Moi, je pensais qu'il s'est senti vivant parce qu'il a pu faire un choix indépendamment de. De ce que le code, les lois d'Asimov lui ont dicté. Non, carrément, il y avait la police de l'écriture. Ouais. Porter, il y a un truc pour ça, je crois. Refais vision d'aigle et regarde porter. Rapproche-toi. Là? Ah non, c'est des bougies. Il y aura une rediff sur Twitch et sur YouTube. La chaîne VOD, Grim Cujo VOD. Abonnez-vous à la chaîne VOD. Déjà plus abonnés que sur ma chaîne, quoi? Je la mets sur ma chaîne, Grim. T'as pas compris? Si. Ok, t'as compris alors. Bah, c'est vite, dis donc. Hop, oh! Et ouais! Peut-être y'a des preuves dehors? Ah, tu sais qu'on a pas regardé dehors. Ok. Oh, le gros tas de merde, c'est quoi ça? C'est moi, j'ai chié. Oh! Oui. Ok. Pas mal. Départ. Modèle 452. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Oui, des empreintes de keuf. Il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Mais Deviant s'est enfui par là-bas, il n'y a pas ses empreintes. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas parti? Genre, il est encore là? Non, en gros, ça veut dire qu'il s'enfuit, mais pas par derrière. Ah, peut-être il est encore là? C'est une dinguerie, ils sont encore là. Hein. Je pense pas quand même. Vas-y, il reste une preuve. Ouais, je cherche. Comment ça, 8 sur 10, j'en ai trouvé une là! Bah ouais, j'en ai trouvé une là! Après, si on lui fait un rapport, elle nique sa mère, hein! Oh! Oh, tu m'as dit, il est là-dedans! Après, c'est vraiment. Après, il fait. Mal fouillé quoi! Chut. Oh! Écriture est subjectionnelle! Ok, c'est l'androïde qui a écrit ça ou c'est Carlos? Bah. Ah, je sais pas. Non, je pense que c'est Carlos vu comment c'est. Ok. Tu vois, ce bruit, il est incroyable! De fou! C'est long mystérieux. Il est captivant. Attends, c'est à 9. Allez, plus qu'une. Plus qu'une seule preuve. Allez, c'est parti. Allez. Ici. Là, c'est quoi ça? Pourquoi ils montent ça? Ça sert à quoi? Ah si, t'as des trucs, attends, vas-y. Fais vision d'aigle comme ça. Non, ah quoi? Comme ça? Je peux pas faire comme ça. Ah putain, dommage. Faudrait qu'on puisse sortir, mais. Ouais. Ouh! Non, pas une preuve. Ah, si c'est bon! Si c'est bon! Ouais, let's go. Allez, on va voir le monsieur Anderson. Allez. Là. Ouais, poteau. Chef! Anderson! Chef! Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Lieutenant, j'ai compris, je crois que je suis pris ratio, lieutenant. Tout a commencé. Attends, oh, Théo!
Dans la cuisine, dans la cuisine, cuisine. Dans la salle de bain. Ah ! Va te faire enculer, mais t'es con, quoi. Tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine. C'est là que ça a dû commencer. Je vais t'enculer, Grim. J'ai stressé. Je vais t'enculer, Grim. Je vais t'enculer. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec le couteau. Attends. Non, avec la batte, avec la batte, avec la batte. Avec la batte, putain, t'es où ? Putain, tu dis de la merde ! Parce que moi, je t'emmène bien l'androïde, c'était au couteau. Je me suis trompé, j'ai fait une continue. Ensuite, l'androïde a paniqué et a pris le couteau. Crise obsessionnelle, parce qu'il s'est pris un coup sur le processeur. Oui. Sur le processeur. Attends, la victime a poignardé. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a poignardé la victime. Donc, l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? C'était plus que se défendre, la victime s'est enfuie dans. Ton cul. Le salon ! Le salon. C'est ça, ouais. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, il entaille, mais il croit. Comme on est sur Valorant. Aïe, 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 aïe. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. Wouhou ! L'androïde a assassiné la victime. Yippi ! Avec le couteau. Avec le couteau. Ok. Hé, absurde. Tranquille, tranquille, ouais. Pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les thyrium, composants. Thyrium, il a perdu, androïdes. Mon gars. Il s'évapore au bout thyrium de quelques rien. Heures et devient invisible à l'œil nu. J'ai aimé, t'as aimé la vanne ou pas, Grim? Mais je parie que toi, tu peux encore le voir. C'est bien. Exact. Ouais, vas-y, garde ça. Oh, let's go. Oh, on est remonté, il est neutre. Ouais. Trouver des traces de sang bleu. Oh, y'a, c'est bon, là, reporter. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Ok, la Théo en speedrun, la Théo dit ça met en speedrun. Vas-y. Oh, la musique en plus, oh, la musique. Ouais. Oh, le piano. Attends. Vas-y, à gauche. Ok. Oh, purée, là, y'a les discades. Je vois rien. Une échelle est utilisée. Oh, il est sur le toit ? Il est au grenier. Aïe, j'ai cru. C'est genre du grenier ? Comment ils ont pas dit que. Ils ont dit qu'il était qu'il y a un problème ou pas ? J'ai capté, en gros, écoute-moi bien. Genre du grenier et Seb du grenier. Tout va bien, ils font des vidéos. Genre du grenier a maigri. Seb a pété un plomb de jalousie parce que il a. Fred il a maigri et pas lui. Il essaye de le tuer. Fred pète un plomb, attrape le couteau et tue Seb. Il stresse, il est sur le toit là. C'est la fin du genre du grenier. C'est vrai que c'est censé qu'on dirait Seb qui est mort. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être trouver un moyen de monter. Franchement, c'est ça. Jurez, c'est ça. Oh la dinguerie. C'est une dinguerie, c'est ça. Attends, t'as une chaise. Faut que je trouve une trappe. Prends la chaise, oui. Tu peux la chaise. Ah, bien. Hey, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais la mettre dans la gueule, ça le chien, va. Je vais vérifier quelque chose. Fred, c'est trop tard. On sait que tu voulais pas tuer Seb. Reviens. Vas-y, Connor. Allez, hop. Faut tout faire. Faut tout lui dire, Connor. Là, si je vois un bout de chemise hawaïenne, j'aurais bon. Attention, Connor. Wesh. Oh, il est con, quoi. Il est débile ou quoi? Il est vraiment pas caché, hein. Mais toi, accroupi, ma gueule. Y'a un mec dans le chat, il est raciste, il a mis robot de merde. Ils t'ont rien fait, pas, wesh. Tu savais pas encore là, il est déjà raciste. Tu savais pas encore là, il est déjà raciste, garde l'énergie, je sais pas, va faire du footing. Mais j'irai pas ce que j'ai dit, bâtard. J'ai rien dit. Ouah, j'ai eu trop peur, je crois que c'était adoré. Mais bon, c'est beau le jeu. Ouais. Ray, c'est pas si vieux que ça, en vrai, il a quoi, 4-5 ans déjà? Ouais, mais quand même, tu vois, c'est... ça reste. C'est abusé, putain, ça passe vite. Il est là, tu l'as vu le petit rat là? Ouais, je l'ai vu. Frère, on a une grosse veste lumineuse aussi là. Pas très discret. C'est vrai que pour des policiers, on n'est pas les plus incognito. Oh purée.
purée de pommes de terre. Ok, c'est pas Fred. Les viols. Je voulais simplement me défendre. Non, en vrai, moi, j'en veux pas. Il allait finir par me tuer. Il a raison. Ouais, mais c'est un druide, il a pas les mêmes droits. Attends, t'es où? On fait le keuf ou on l'aide? Non, viens, on le dit pas en vrai. Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, moi, je te jure. Attends. Eh, t'es au BLM, je le laisse partir. Cours, mon gars. Attends. Il est ici, lieutenant. Mais quoi, sale poucave? Merde. Eh, anti-poucave. Anti-poucave. Oh, la honte, Connor. Allez. Putain. On n'a pas eu le choix, on l'a snitch direct. Eh, Connor, il a vraiment dit je ne soutiens pas Black Lives Matter. Là, c'est vraiment. Dernier tes soucis, frère. Wesh. Rien n'est pardonné. Ouais, c'est quoi ça? Il y avait un truc de fou là? Il y en a en bas. On n'a pas fait. Ouais, c'est quoi ça? Ça va où? Ah ouais. Et en plus, ça a amené loin. Wesh. Ouais. Putain, on l'a raté, ça. Purée chier. De pommes de terre, mais c'est pas vrai. Oh non, reviens ici, mais je voulais finir un truc avec Connor, là. Mais Connor, on y reviendra plus tard. Mais ça fait comment, Jael, Sarah? Alice et Kara. J'ai vraiment eu 0 pointé. Il a eu 0 sur 20. Allez, je te réveille comme ça, gratos. On peut vous dire ce que vous avez potentiellement loupé? Ils peuvent ou pas en RTO? Si ça spoil pas la suite, oui, vous pouvez nous dire en vrai au calme. Ouais, en vrai, si vous avez. C'est ok. Ouais, j'arrive. Si ça spoil pas. Ça grosse pipe à crack là. Apportez le repas. Oh là là. Ça a l'air trop gaze. Ça a l'air bon, ça a l'air trop nul. Hein. Oh, les spaghettis bolognaise aux chips. C'est texture. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Rien raté, c'est juste la fin des gens qui ont raté. Ah ok, d'accord. Ah. Bon bah... Moi j'avoue, c'est un peu triste de manger sans lumière. Hop. Et voilà. Régalez-vous. Servir Alice et Todd. Bah ça y est, ils en sont tout là. Ça y est, vous avez vos couverts, à un moment démerdez-vous. Oh là, attends, il y a l'air dégueulasse. Je perds mon boulot à cause des androïdes. La bolognaise. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je dois m'acheter un putain d'androïde. Bah ouais, frérot, t'es détié. Putain, c'est un bel critique capitalisme. La bonne blague. C'est en mode, arrêtez d'acheter ça. Et tu le dis depuis un iPhone. J'ai pas raison? Bien sûr, c'est tellement chouette. Mais comment tu peux... Tu peux être pour les droits sociaux quand tu utilises Twitter pour iPhone. Hein? Et jamais ils sont tristes. Parfait, ils ont foutu ma vie en l'air. Ouais, d'accord. Ouais, t'inquiète, c'est la faute d'Android, c'est parce que t'es un crocaïnoman père de merde qui frappe des gens. Que prendre de la drogue, ça t'a bien aidé, hein, connard. Alors, qui se rappelle au collège quoi, le livre d'histoire avec l'Inde et à côté la bidonville et de l'autre t'as les hôtels et les immeubles? Qui s'en rappelle ça? Ça c'est fou ça. C'est-à-dire que d'un côté t'as la pauvreté et de l'autre t'as la richesse. Et ça c'est fou. Tu crois peut-être que c'est facile. Arrête, frère. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Bah oui. Que c'est de ma faute si t'as code de mer a foutu le camp. Hey. Oui. Bah oui. Tu dois arrêter c'est pas la droite, de la laisser. Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Par contre, la honte de se barrer sans le gosse. Il m'a largué pour un putain de contrat. Mais les spaghettis, putain. Mais pas putain. C'est ta faute, putain. Putain, frère, je suis... Fils de pute. Non, là, je suis encore sur les pattes, là. Je suis encore sur les pattes. Non, reviens ici. Il y a un mec qui l'a dit. Reviens ici. Il y a un mec qui l'a dit Elmer, mais oui, parce qu'elle a chez le fils. Peut-être elle a pas les moyens. Non, elle est avec un comptable. C'est-à-dire, elle a les moyens. Non, vas-y, frère. Peut-être elle a pas laissé partir le gosse. Ça m'a saoulé les bolognaises. Il vient de frapper sa fille, tu penses aux bolognaises, frère. Oui, bah oui. Oh non. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Vas-y, monte. Vas-y, on bouge. Vas-y, on bouge. Ouais, attends. Mon cerveau, il avait une vision du futur. Si je bouge, je crois qu'il me goom, frère. Mais non, c'est justement. On va déverrouiller. Oh, mais oui. Sortir. Oh, on sort. Les lois d'Asimov. Nique sa mère, les lois d'Asimov. Asimov, va te faire. Enculé, Asimov. Vite. Et là, t'es regarde mon plan. On court, on attrape la fille, on saute par la fenêtre, on se taille. Non, on prend le brolic. Mais le brolic, il est en haut, non? Mais oui, mais on prend. Ouais, t'as raison, tu sais que j'ai oublié, il y a les broliques.
Raison d'étonne, non, c'est... Ah oh non, jamais, on monte. Frérot, c'est un crackhead. En fait, je suis un androïde. En fait, si j'étais un psy ou un mec, un humain, j'aurais pu, mais là, je suis un droïde, je suis dénué d'émotions, je peux vas-y, pas... Vas-y, le brolique. Je peux pas le raisonner, frère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la roue. Merci, mon gars, pour le sort. Oh, c'est jeu du siècle. Voilà, voilà. Oh, c'est jeu du siècle, frère. C'est merde, ma facultatif. Sa mère. Va se balader comme ça. Tu vois, il était irraisonnable, frère. Ouais. Il est impossible à raisonner. Eh, hey, frérot. Ça suffit. Oui. Hey. Laissez-la tranquille. Putain, voilà, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, Karin. Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre. Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Voilà, très bien, Karin. Dis bien, Karin. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, hey, frérot, Asimov est mort. Il n'y a plus de loi d'Asimov maintenant. Tu vas tirer sur un humain. Ouais. Non, mais voilà. Elle a pas les couilles. Non. Ok, Dodge. Oui. Regarde là, faut que je sois réactif là. Voilà, faut que je sois réactif. Vas-y, Grim. Voilà. C'est bouffon, va. Attention, Kara. Merde, ah, c'est les deux souris, merde. Pute. Aïe. Fils de pute. Viens ici, connasse. Non, attention. Le prodigue. À eux. Wow. C'est bon. Voilà. Wow. Oui, voilà, très bien. Donc, au bas. Voilà, très bien. Allez, petit bouffon. Vas-y, dé. Allez. J'ai trompé de touche. C'est quoi ça? Oh non, c'était mage, connard. Bon, laisse ça ouf, frère. Ah, c'est quoi ces touches de fou furieux? Attends, dé. Oh purée. J'ai vécu, par contre. Ouais, comment il l'a amoché, frère. Oui. Et le chat, ils ont fait que dire t'es nul, t'es trop nul. Eh, je vous baise. Frère, t'es pourri, je te jure que t'es pourri. Frérot, les touches qui. Eh, à un moment, ça m'a lâché espace, muscule gauche. Je suis qui, moi? Je suis qu'une star, moi? Mais c'est ultra simple. Mais frérot, faut la vitesse. Je pense à la manette, c'est pépère. Attends, maintenant faut tuer la gosse. Attends, les gars, est-ce que j'aurais pu m'en sortir sans avoir la tronche amochée? Ah, elle a rien à foutre, la petite. Wouah. Oh, la musique! Ils vont me faire pleurer là. Wouah! Non, attends. C'est incroyable la musique là. Putain, ils sont forts les enculés. Ça, c'est pas mauvais. Hein. Putain, Terra, pour une fois, Terra a révision sur un jeu, c'est incroyable. J'adore, frère. J'ai envie d'y jouer 25 heures, gros. Oh, c'est incroyable. Wouah, la thème! Ça aurait fait la porte ouverte, putain, mais ils vont se faire violer. On s'en fout, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Wesh, petit faux raccord. Elle s'est réparée là, ou là? Je sais pas, elle s'est réparée. Mais c'est pas... Je suis un androïde, je suis pas Franky non plus, fils de pute. Comment ça, Franky? Non, moi, je suis un androïde de poche, quoi. Je suis pas un cyborg super évolué qui peut se taper avec Vegapunk, quoi. Un androïde de poche. Pourquoi il faut pas ça? Alors des petits humains comme ça. Je préfère la séquence sans prendre le flingue, le moment est beaucoup plus long. Bah écoute, c'est ton choix, nous c'était le nôtre. Allez hop. Ouais. Et on t'emmerde. Ouah, bon. Ouah, regarde. Ouah. Kara a abattu Todd. Ah oui. Ouah, regarde tout ce qu'il y avait. Putain, wesh. L'arbre. Mais c'est quoi? Attends, tu pouvais vraiment les raisonner du coup? Les gars, est-ce qu'il était vraiment raisonnable ou pas? Je pense que non, mais. Eh, ça Edson, il est mort. Non, mais je vais voir jusqu'au bout, connard. Mais c'était pas lisible. De toute façon, on pourrait y retourner à la prochaine. Je pense qu'on attend de faire une DR et après on arrête. Oui, non oui. Oui. Oh la dinguerie. Non, aide son flemme. Dites pas non. Eh, dites pas non si vous savez pas par contre. Ouais. Ah, tu peux te barrer sans le tuer aussi, ça sert à rien. La demande à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me. Sauf c'était un crackadi qui frappe. De toute façon, c'était un frappeur de gosse, en vrai. C'est bon, on l'a tué, tant mieux, c'est bon. Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Ouais, je fais rien dire. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, bla bla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Ouh. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Moi, j'aime bien le lard, sinon. Allez, prenons un verre. J'ai trop hâte d'aller graisser. L'ambiance de cette soirée va dessécher la gorge. Oh. Allez, on y va. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument.
Très bien, vas-y, mais vous savez ce qu'on dit. Tu fais des tricks avec son. Ah oui, ouais, ouais. Après, je suis un après, t'inquiète. Vas-y. Je suis assez grand pour choisir mon propre. Théorie, ça fera une conférence Adobe. Parce que Théo, personne ne calcule là, Adobe. Allez hop. C'est vrai qu'Adobe, t'aurais vite à Las Vegas quand même, c'est un truc de fou ça. C'était pas du tout Las Vegas, fils de pute. Los Angeles. Tu avais laissé merci. L'atelier allumé. Attends, ils t'ont offert quoi déjà? Des AirPods, non? Non, je suis ouais. sûr que non. Putain, des AirPods Pro. Non, mais c'est n'importe, c'est n'importe quoi en vrai. Pas tranquille, hein. Vas-y, appelle. Là, je suis à fond dans le truc, là. Ah, ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière c'est est allumée. Putain, c'est le fils, il a cambriolé le daron. Eh, faites vite, s'il vous plaît. Allons jeter un coup d'œil. Non, mais. Bah non. Il est con, quoi. Vas-y, 3-6. Attends. Marcus, non, je viens avec toi. Oui, 3-6. Allez. Oh god, fais le vomir, fais le vomir. Oh. Allez. Bah alors, le vieux, on a peur. Oh. Attention. Allez. Eh non, on y va pas voir les cambrioleurs. Oh, Y. Attention à la télé. Ça serait trop lourd puisque c'est des trucs comme ça. Ouais. On y va. On y va. Oh, Brassio. Le vieux. Eh, viens, on y va. Eh non, on va dans l'escalier. Ouais. Non, vas-y, on va. Il pue jamais sur l'escalier en plus. Ouais. Très très moche. Ouais, caméra. Mais y'a clairement un mec là! Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider alors je me sers tout seul? C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes! Ne touche pas à ça! Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage! Marcus, fais-le sortir d'ici! Allez, sors-le d'ici! Eh, je vais te péter la gueule, mon gars! Ouais, mon gars, ça vient d'où? Attends, mettre en garde. Non, d'abord raisonner. Ça ne vous mènera nulle part. C'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des mecs qui sont en pleine illusion, ils en ont rien à foutre. Je suis pas parfait comme cette saloperie. Ça suffit, tu t'en vas maintenant. T'es pas parfait, justement, mec. T'es pas parfait, frérot, t'es addict à la coke. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Hé. Wesh. Ok, bon, attends, on lui pète la gueule ou pas? Si on peut, on lui pète la gueule, ouais. Ne te défends pas, tu m'entends? Ah merde, putain. Tout ne fait rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête! Léo! T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat! Hey! Wesh! Oh wesh! Oh, il a cambré, frère, t'as vu comme il cambre? Attends. Oi. Vas-y, tape! Oula, attends, vas-y. On le fait ou pas? Vas-y, non, mais Théo, il tape fort là! Vas-y. Viens, on attend, il tape fort, gros! Viens, on arrête! Vas-y. Vas-y, on y va, frère, ça y est. Vas-y, frère. Casse tout. Oh, il va tout casser. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Si, on va le taper. T'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Ah, Théo, je sais pas. Putain, là, vous. J'endure, moi. Hey, moi, parce que, ok, c'est une petite merde, mais moi, j'écoute le vieux. Oula. Ah, il a mal quand même. Ah, il a fait mal aux deux. Wesh. Quoi? Non. Il a des galoches. Attention. Non, il meurt pas maintenant. Les humains sont des machines fragiles. Arrête, non! Ne partez pas, c'est dernier mot. S'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Moi, j'ai la clé super vite. Toi, Marcus, ne laisse personne te dire qui tu es. Bah, ta gueule alors. Non, père! Non! Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Bon, toi j'ai planté, toi. Tu cherches trop la merde, toi. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu cherches trop les embrouilles. L'androïde, c'était l'androïde. Mais non! Wesh! Quoi? Quoi, ils ont tiré direct? Mais c'est quoi ça? Mais en mode, il a pas des caméras dans les yeux. Non, on aurait dû lui péter la gueule. J'aurais dû le goumer. Les gars! Péter la gueule. Putain, non, mais il est pas mort, c'est pas possible, c'est un robot, mais. Les gars, est-ce que.
On peut revenir ou pas au point? Non, non, on revient pas, t'es un ouf, t'es un malade, toi. Non, mais genre juste pour essayer. C'est Mir Katsan, mais non, on sert à rien. Ça va changer de. Vas-y, on continue alors. La violence. Ah ouais, ça change. Les gars, est-ce que le vieux serait mort anyway? Je crois qu'il serait mort dans tous les cas. Ok, je crois qu'on attend pour une DR après, j'arrête. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Oui, ok, c'est bon. Non? Il y en a, vous dites oui, il y en a, vous dites non, vous coulez. Mais dites pas non si vous savez pas, frère, s'il vous plaît. Combien de assume, temps non mais de toute façon, j'ai un choix, j'assume, moi. Non, il peut le pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Elle a l'air propre, hein. C'est le fils qui meurt, putain! Dis quelque chose, bordel de merde! Non, Réjou, on a fait le bon choix, là. Fais chier, je me tire. Parce que là, du coup, ils verront que je suis... Vous savez, le 4 décembre, putain. L'album Lord of Game sort dans les bacs. Je répète, 8ème album, Lord of Game sort dans les bacs. Parce que j'ai un sub gus, mais ça, du coup, ça casse les oreilles. Merci pour le sub. Ah, dis le on perd notre temps, hein. J'ai pas agi, j'ai passé trop vite, j'ai pas agi. Ohio Chani, qui est offert à Spizesso. Merci, tu as toujours essayé de le tabasser. Bah, c'est vrai, quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Ah bon? Attends, mais il a fait en mode. Ouf. Bah ouais, alors. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit ah, malin. Ah oui, ça, je me rappelle, j'avais vu sur Let's Play. Alors, qu'est-ce que tu veux? On va devoir parler. Et s'il est ici, il est en train de stress, il meurt. Quoi? Faut qu'on parle vraiment bien, faut qu'on parle vraiment bien pour qu'ils soient en confiance. Mais ne spoil pas. Mais non, mais c'est ça arrive dans deux secondes, j'ai du gars Let's Play. Vas-y, le suspect est à toi. C'est quoi le jeu? C'est c'est Modern Warfare 2, là. C'est Fall Guys. Allez, on rentre. Putain, mais par contre, la voix du flic, c'était la voix de VF de John Bernthal, non? Ah ouais? Le flic qui a dit, bah vas-y, c'était si malin, rentre. Ok, Théo, tu sais comment on m'appelle? On m'appelle Dale Cooper. Hop. Hop là. Place en mode détective. Salut, je suis Connor. Vas-y, viens les debout. Sarah, Connor. Vas-y, on analyse déjà. Ok. Ok, propre. HK400. Notre fabrication 2030. Okay. Il a 8 ans. Quelle est sortie? L'aide des traitements. Wow. Probabilité okay, de... C'est bien ça, aller. Il peut pas s'auto-détruire, ça c'est cool. Oh non, pour le moment c'est faible. Ça peut monter, ça, ça qu'il dit. Sans oui, bah, ça il a tué, c'est normal. Ça ok. Trace de coup. Aïe. Waouh, après ouais, ça dégâts non critiques, ça va. Ah putain, c'est pas critique ça. Mais il y avait écrit dégâts non critiques de niveau 2. Ah là, c'est quand même. Putain, ah, mais c'est... Ah ouais. Sur 16 mois. Oh ouais, merde, mais guette toutes les marques de cigarettes. Ouais, sur ça. Ah ouais, il lui mettait ça sur le bras. Quel fils de pute. Mais il est con, frère. Là, tu le payes 10 000 balles, là, tu l'encules comme ça, il est bête ou quoi? De stress, et on va te faire stresser, mon gars, et on va te faire gigoter, mon non, gars. Non, c'est optimal, c'est pas le faut pas l'augmenter. Hein. Attends, on parle des blessures. Ah, c'est ceux qui sont bloqués. Non, déjà, on dit le nom, peut-être. Vas-y, je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi, quel est ton nom? Oh, le bide, on se fait niquer. Hein. Attends, vas-y, parle, c'est blessure. Blessure, parce que c'est direct, c'est le plus visuel. Vas-y, tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Comment ça a pu le faire stresser ça? Il t'a battu? Accusé, en vrai accusé que ça monte un peu. Menacé non? Accusé c'est fort non? Accusé tu penses? Menacé c'est... Non menacé c'est plus fort que... Accusé. Vas-y accusé. Tu es accusé de meurtre. Parce qu'en gros la fonction stress il monte, tu sais ça, mais d'accord. Tu n'as pas le droit de mettre une humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Okay, c'est bien voilà, ça. Voilà, on y est presque. Et on va te faire stresser, mon gars, on va te faire te pisser dessus, mon gars. Parce qu'en fait, si il gagne sa confiance, il va moins stresser, non? Bah ouais, c'est. Attends, mais tiens, faut pas mettre son stress à zéro? Mais non, il y avait écrit, il faut qu'il y ait un stress optimal pour qu'il désaveu. Ok. Bah, donc, menacé alors. Comment ça, mais non, vous êtes con. Non, il y en a dit, faut que son stress descende. Mais il vient littéralement de dire qu'il faut que justement le stress il soit un petit peu optimal pour qu'il puisse faire des aveux. Attends, mais j'avoue, parce que attends, Théo, si son stress monte, il va s'exploser, non? Mais non, si c'est trop, oui. Mais là, c'est. Bah alors, je le menace alors. Mais pourquoi il y a une zone alors? Ça sert à quoi de mettre une zone en plus? Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièce. Ah oui, si donc, tu au départ, c'était où aller? Trop bas, non, mais... regarde, tu vois, c'est trop, on monte le stress, frère, ah, ça voilà. Y est. Sonder sa mémoire. Ils sont cons, les gens aussi. Je vais devoir sonder ta mémoire. Non! Voilà. Ok, nickel.
En vrai, un petit peu plus ou pas? Qu'est-ce que... Ah, ils ont mis optimal. Optimal, je pense c'est bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que peut-être, j'avoue, peut-être si on monte trop le stress, imagine, ils pètent, genre. C'est pour ça. Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Dis la vérité, dis la vérité. Vas-y, 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 Monty. Non. Vas-y. Non, parce que frère, si on dit oui, son stress, il va exploser, il va mourir. Ça comprend. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pensé à... Ah! Ce n'était pas ta faute. Il faut qu'on le remonte un peu le stress. Hein. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Aïe, aïe, aïe. Parce que je suis une sale cave de merde. Dire la vérité. Là, on peut dire la vérité. La vérité. Un peu. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Bien joué, je pense c'est bien si on a un bon 55-60. Ouais. Encore un petit peu. Alors ouais. Parle-moi. Je... Tu heal. Je ne peux pas. Bon, on va lui monter son stress alors. Choisir l'approche, attention. Good cop, bad cop. Ah, attention. Sonder sa mémoire. Non, sonder sa mémoire, c'est trop, il va exploser, frère. T'as pas vu comment stresser le coup? Pourquoi il est en bleu alors? Pourquoi il est en bleu? Pourquoi il est en bleu le truc alors? Parce que c'est au milieu, c'est une DA, frère. T'es sûr? Je pense que c'est le choix le plus efficace, mais gros, il va exploser. Moi je te dis, il va exploser, c'est dangereux. Moi je te dis, la pression, c'est bien. Moi je te dis, sonder sa mémoire, je te dis, ça va monter un peu, mais ça va pas non plus faire exploser. Je te dis, Théo, parce que t'as vu comment il a crié pour sonder sa mémoire? Moi je te dis, pression, c'est bien. Vas-y, vas-y, faire pression. 28 coups de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? Parce que convaincre, je pense qu'il va. Bah, il va passer la blessure et il va. T'as raison. De la haine! Oula. Il se vidait de son sang. Oh putain. Implorait d'être rapide, hein. Mais tu l'as poignardé! Encore! Oh purée! Et encore! Trop, trop! Et encore. J'ai arrêté là. S'il te renoncez, plaît. Renoncez! D'accord. S'il te plaît! D'accord! Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Le flic nul! Oh le bipolaire! Oh let's go! Là on est trop bien là! C'est celui de Greg Guillotin. Salut, ça va Greg? Mais attends, ça revient! Convaincre! Ordonner! Tu es une machine, tu as été conçu pour obéir, alors obéis! Ok, allez! Dis-moi ce qui s'est passé! Compatissant! Non! Très bien! Eh, vas-y, fous de crime! J'ai pas le temps, pourquoi? Bon, j'ai une seconde, fils de pute! C'est quand même pas moi qui suis. Hé, Donald Renew, arrête! Enculé! Protégé! Et je te protégerai! Je te le promets, je l'ai mis. Mais il doit se dire, c'est quoi ce robot bugué sa mère? Il fait que dire de la D, il doit se dire. Il dit, c'est lui le déviant, frère. Aïe. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais. Il trouvait toujours quelque chose à redire. C'est vrai que pour le moment, Connor est toujours pas éveillé, hein. Tu crois qu'il est dans DBZ là, fils? Bah, frère, les deux autres ils sont éveillés, lui il s'est toujours pas éveillé, Connor. Il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti. La peur. Ouais. Ok. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Je rigole. Le bug, c'est une machine et Schwinn. C'est tout le but du jeu, frère. C'est que tu commences à voir que les robots commencent à développer des émotions humaines. Je me sens mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Et encore ou pas? Un dommage. Le jeu, c'est des trois become human, mais ouais, il y avait du sang partout. Mais non, mais justement, il disait, c'est le nom du jeu en gros que les humains. Oh putain! C'est quoi R9? Oh, R9, je crois, c'est le truc. Je sais pas. Statuette. Oh la statuette, attends, peut-être il est devenu religieux, attends. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Ok. Une offrande pour que je sois sauvé. Par qui? Il a fait une secte robotique quand même. R9. Oh, ah. offrande, non, on continue. Ouais, on continue. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? Pour R9. Seul R9. Ah, ok, c'est une secte robotique? Ouais, je crois que c'est ça, genre c'est un du robot. C'est génial, hein. Du robot, tu ta gueule. C'est quoi, c'est vrai? De la salle de bain. Dis-moi. Il y a un mec qui a mis R9 égale le vrai Ronaldo. Le jour fermez-la. Où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Frérot, je veux t'aider, mais ils t'entendent là. Ouais, c'est bon, hein. Vas-y, insiste. Ouais, je veux des infos, moi. RA9. Qui est ce RA9? RA9 égale Okamedia.
Attends. Ah, bâtard, il y a rien. Message au mur, hein. Pourquoi avoir écrit je suis vivant? Non, mais ça, non, mais là, il est con, c'est logique parce qu'il sentit vivant. Il me disait que je n'étais rien du tout. Ah, mais bon, que faut le dire, faut qu'il le dise pour qu'un morceau de plastique. Ah, c'est beau ça. Il fallait que je l'écrive. Enfin, toutes les traces qu'il a, le pauvre. Pour lui dire qu'il avait tort. Grenier ou déclencheur et... Bah, grenier après déclencheur, parce qu'au moins c'est dans l'ordre, tu vois. Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Ok. Alors je me suis caché. Vas-y, depuis quand ressens-tu des émotions? Putain, les musiques à chaque enfin, fois, c'est trop fort. L'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère. Ah, ils sont forts quand même. Et de la haine. Oh, ça sent, il joue bien par contre. Hein. Et là. Là le doublage, il est clean de ouf. Hein. La VF, franchement. De fou, il est vraiment très bien. Avait obtenu. J'ai terminé. Bah, il est pas mort. T'es un bon frérot. Let's go. Let's go, il est pas mort. Viens, on tourne autour de lui. Eh, vas-y, bouffon. Eh, ouais, mon gars, ça vient d'où? Eh, c'est fini, Porto, on va te sonder, mon gars. Tu as perdu ta peine, frérot. On va te sonder, mon gars. On va te sonder. T'as entendu, hein. Si, il m'a entendu, je crois. Tac. Ah non, il y a Antonin. Ah, Antonin, pas obligé. Pas obligé d'écrire dans le chat. Il a foutu le bordel. Boucle-le, Chris. Tiens, les gars, c'est John Berntal la voix, non? Ok, ah ouais, on y va. Chez moi. Ne me touche pas. Non. Pourquoi il stresse? Mais frère, on a tout fait bien. Merde, qu'est-ce que tu fous? Interviens. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Ouais. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Mais il est con quoi, frère? Bah. Interviens. Ça sert à rien. Vous ne comprenez pas. S'ils sont détruits. Mais frère, il va. Je croyais pourtant t'avoir demandé. Frérot, ils veulent pas, wesh. Chris, tu vas ramener ce connard? Aïe. On réessaye. On abandonne du coup? On abandonne? Et il mérite, pas sûr, il mérite pas, ça leur fera les pieds. Oh putain. Wesh. Putain de merde. Wesh. Ah, tu vois, ça va. En plus, comme ça, mon ref, hop, il part le cœur léger, il leur donne pas d'infos, et ça leur fera les pieds. Et on le reste deux fois. Frère, on leur a dit, hein. Quand ça, mais non. Attends, il pouvait se ne pas suicider, je crois, on a pas assez forcé. Tain, on aurait pu forcer une fois de plus, non. Bah oui, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il aurait pu, frère. Mais tu vas te faire enculer, alors. Bah non, et moi, je voulais qu'il parte tranquille, frère. Frère, on lui dit deux fois, il dit non, ça lui fera les pieds. C'est vrai. Non, il déconne, frère, aussi, non, il déconne. Ils ont trop fait les fous, gros, c'est normal, attends. Attends, je regarde. Moi, je pensais pas à ça quand ça disait autres sont détruits. Hein. Pour moi, c'est genre, il faisait un court-circuit ou quoi là. Il faisait juste une blanche. Ah ouais, j'avoue, mais moi, si je pensais, il allait se péter sur lui-même. Pas, il allait prendre un Glock et hop. Hein. Bah, attends, moi, je vais arrêter. Je suis abattu, j'arrête là, frère. On arrête là? Ouais, bah, je dois y aller, il est 19h05. Vas-y, rendez-vous demain, attends. Du coup. Attends, là, du coup, c'est sauvegardé là ou... Le chat, est-ce que c'est sauvegardé là? Hugo. Quoi, Hugo? Salut, Hugo. Salut, Hugo. Moi, j'arrête. Become human. On arrête là, Hugo. Oui, ok, ça sauvegarde, vas-y, menu principal. Tac. Ah. Il fait les cartes Marvel Snap à CCB. Nouveau son de Damso. Oh non, je veux pas voir. Bon, en tout cas, classic game. Merci Théo. On continuera. Demain, je pense. Attends, tu finis que. Quelle heure les cours, toi, déjà, bouffon? C'est là que j'ai cours demain. Enfin, j'ai pas cours, j'ai taf. Ah, tu finis à quelle heure? Je suis à 18h, je suis à 19h chez moi à peu près. Ok, attends, check Discord. Ok. Ok, vas-y, je pense les gars, demain. Attends, répète, t'as dit quelle heure? 19h, on va dire, vas-y. Ok, bah vas-y, bah demain 19h, les gars. Vas-y. Tchè Discord, vas-y. Du coup, j'ai un Discord. Vas-y, bah Simer Théo. Ciao, bye. Adios, Pepitos. Adios, mon Pepito. Attends. Regarde ce qu'il m'envoie, Ego. CCB Mixtape Tease. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Il aime trop envoyer les snippets, lui. OMG. Excuse DJ. Tweet, on a bien joué. Ce soir, je vais te RAID. Plus de licenciés. Catastrophé. Jamais soupi, juste il a RANT. God bless la CCB. On a rien à envier. Aucun suçage. Tu finis ta becté devant nos streams en HD. Tu ne peux que nous aimer. Je veux voir Emote 7 TV. Jamais.
Oh. J'aurais cru m'amuser autant devant un stream. Woo. Sur une plateforme de streaming. Mais jamais j'aurais cru m'amuser autant de vent. Non, là il... Là il me chauffe. Il me chauffe, il me met un truc sous la dent là. Putain, non, Damso il a frappé fort là. Là, Damso il a frappé très très fort là. Merci Hugo pour l'exclu. Bon les gars, moi je vais vous laisser là. Navré, j'ai dit là, j'ai grec des potes du coup. Hop, live un peu court. Mais demain 19h, les gars, on va jouer longtemps. On va se régaler. J'ai adoré le jeu. Tu vas venir au studio par contre. Ah ouais, j'ai merci posé un 16, vas-y. Trop cool. Je suis gaze, mais ça peut être. On va faire ça bien. Simer, c'est d'état. On va poser ça bien, Hugo alors. Les gars, moi je vous laisse là. On se capte demain parce que franchement, je savais que le jeu était lourd. Vous avez continué. Demain, on continue. Genre, je savais que le jeu allait être lourd. Mais pas à ce point-là. Là, franchement, ambiance, thématique, personnage, doublage, musique, thème, dialogue. Non, franchement, ça part très, très bien. J'aime bien, frère. Et Walking Dead, je préviendrai. Il se fait vite le jeu. Bah là, franchement, là, tu vois, on n'a pas joué beaucoup. En cas stream classique, toi et Théo, j'ai enfin pouvoir voir la blague. Funky Cops. Ah oui, voilà. En plus, c'est vraiment Théo et moi, frère. Merci, voilà. Mon gars, pour le sub. Trop. C'est cool. Mère Younous. Cependant, Green te déteste. Hop. Et te chie à la gueule. C'est vraiment Théo et moi, frère. Enfin, bref, du coup, je pense, les gars, on se capte demain 19h. Merci tout le monde. Il y a du Mundo, il y a des Sabito, il y a des Messagos. Vous êtes des bons. On se capte, je me répète, demain 19h. Attends, je regarde, qui est-ce que je peux raid? Je crois qu'il y a King Quiz. Parce que Pota, il a 4000 joueurs. Ça, il s'en sort. Il s'en sort, tu vois. Hop. Avec King Quiz. Putain, j'ai rien Quiz. Hop, 287. Je vous dis adios muchachos. Je mets une pub et on se remet l'exclu de Hugod. Simer les refs, bon week-end. Force pour la reprise de la semaine. J'ai cours aussi. Putain, 500 piles. Encore merci pour les 500 piles. Vous êtes des bons. Adios muchachos. 500 subs, merci. Il y a du monde, merci. Bonne semaine, bonne chance pour la reprise. Comme d'hab, bonne chance pour les examens, ceux qui ont des examens. Et ceux qui n'ont pas d'examens, bonnes vacances, ratio. Les chômeurs, les scolarisés. Reposez-vous bien. Allez, t'as fait quand même, comme ça vous pouvez vous sub. Buzz, tweet, on a bien joué. Et à la prochaine. Et prenez bien dans VPN.